Et voilà. Non, c'était le Titanic, rappelle-toi, tu sais, on avait récupéré le super aspirateur et t'avais foutu le zbeul. Ah oui, du coup, on pouvait rentrer par la porte. Ouais, mais il faut que tu me mettes Ah oui, c'est vrai. HTTP. Non plus. Et let's Ah go. non, je préfère pas. Ah. C'était la Super blague. marrant. Ça va, Oh, Ayumu? mimi, ça veut dire non, ça. Ah oui, j'avoue. Les trois Qu'est-ce petits qui se points. passe? Enfin, je sais pas si tu veux en parler, mais... Coucou Chichi, attends, ton casque est pas. Ouais, ça a l'air d'aller moyen, en effet. J'ai pas tiqué, mais. Alors, on était rentré dans cette magnifique grotte. Merci Shinui. Comment ça va, toi? Salut mon chichi. Alors. Comment ça marche déjà Ah ce oui, jeu? c'est vrai. Ah oui, c'est vrai, j'ai pas le droit de bouger si Jouy ne bouge pas. Le moral, c'est pas trop Oh. ça. Aya. Pour une raison particulière ou c'est une déprime? Si jamais tu as envie Enfin, la d'en déprime est une parler, raison soit ici, particulière. soit peut-être en MP et tout, n'hésite pas, hein. Enfin. Ah, regarde Ça ce qu'il y a là-haut. m'intrigue ce truc. Regarde ce qu'il y a là-haut. Oh. C'est les nouvelles. Ah! Bah oui, forcément. Alors moi, j'ai pas le droit de tirer sur la boîte, parce que de toute façon, sur la boîte crânienne, parce que de toute façon, voilà. Ah non, C'est. c'est pas comme ça. Il doit falloir mettre une corde, tu vois, regarde là, il y a une poulie. Donc, Ah et ouais. là-bas et là-haut aussi. Donc il doit falloir pouvoir mettre une corde. C'est une déprime. Ah bah oui, bien sûr, j'avais oublié ça. C'est une déprime. T'inquiète, c'est rien, ça arrive souvent. Ok. Ok. Bon, on n'en fait pas trop quand même de cette déprime. Ouais. N'hésite pas à te faire aider, peut-être si tu en as besoin. Te faire aider, c'est pas forcément. Enfin, ça peut être un psy, mais ça peut passer par plein d'autres moyens. Changer, sortir de sa routine, c'est déjà un excellent antidépresseur en règle générale. Bon stream les enfants, comment ça bon stream? T'en vas? Ben Tu oui, t'en parce vas qu'il peut pas déjà? nous regarder, il a pas Ah assez oui, no avancé. spoil, ah oui pardon. Ah pardon, ok, bon bah bye Shinui du coup. Ah ok, bon il y a clairement des trucs à faire avec ces noix de coco si on peut en générer à l'infini. C'est une noix de coco, tu crois? Bah oui, un petit Peut-être truc vert au... shoot dans les... Shoot dans les trucs! Je sais pas, en tout cas il y a ça. Ah! Oh my god. Et non. Qu'est-ce qu'il faut faire déjà? Il faut l'éclairer. Il faut faire ça là. Voilà. On refait ça. Désolé, chichi. Parce qu'on est trop fort. On a pas le temps. Tout se cache. Bon, en tout cas, Yumu, si besoin de parler, il y a, hein, bien évidemment. Hein. Ouais. Je ne fais que répéter ce que dit Madame Zhu, mais attends, mais regarde ça. Merde. Bah, ah oui, d'accord, moi j'ai pas le droit de passer à ceci là. Je suis con. Regarde. Est-ce que par Ah, hasard. en tirant dans le trou. Ça n'a pas l'air évident. Non, non. C'est là par là. Bon alors. Mais c'est vrai que Shinui a bien fait de partir parce que finalement on va encore faire un 100% sur ce niveau donc. Je Bon, dirais qu'il y a une bah je porte sais pas. derrière ça. Oh attends bah. On se fait plus avoir nous maintenant. Léger. Oh! C'est moi Ça qui va. fais ça? Ouais. Bah c'était pas, c'était pas volontaire. Bon, il faut regarder s'il n'y a pas des trucs à éclairer avec la lumière mystérieuse. Le bordel qu'on fout. J'avoue. Vous n'aurez jamais autant foutu le bordel avec un aspirateur. Oh. Quand je vois rien. Ah, c'est les chauves-souris. J'ai cru que c'était le mixeur qui t'avait blessé. Oh mais non. Mais dis donc, monsieur. Mais je sais pas. Tu sais, moi, ça faisait 10 minutes que je jouais avec le mixeur. Je me suis dit, il y a un truc avec le mixeur qui te fait mal. Et genre, moi, j'ai dû passer au travers.
tout du long et elle, elle s'est pris direct. Oh mmh. Regarde, c'est comme dans Truman Show. Mmh. C'est non, exactement. Chute. Oh oui. Comment ça chute. Bah. Ah oui, bah j'allais juste te dire que c'est exactement ce à quoi ça m'a fait penser. Mais après, bon, est-ce que. Oh bah si, c'est vraiment si. Bah. Oh. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que bon, le film a combien? 20 piges? Est-ce qu'il n'y a pas un peu prescription dessus quand même? Ah, je sais pas, c'est tellement un bon film. C'est vrai, si vous n'avez pas vu The Truman Show, allez voir The Truman Show. Incroyable. Ouais. C'est l'un des meilleurs Jim Carrey. Alors, je connais pas assez Jim Carrey, donc je peux pas vous le dire. Bah, pour avoir vu Mr. Poppers et ses pingouins. Mr. Poppers? Je crois que c'est Mr. Poppers. Mr. Poppers et ses pingouins. Moi, j'ai Yes Man. The Mask, j'en ai pas beaucoup de souvenirs, mais vous savez, The Mask, c'est un Jim Carrey qui fait le fou. Tu vois, c'est un peu la même veine que Ace Ventura. Tu sais, il joue le mec complètement dément. Alors que Truman Show, c'est. Saleté! T'en as sur le nez! Viens là! Alors que The Truman Show, ça fait plus partie. C'est plus la même veine que Yes Man, que. Yes Man. C'est plus un film un peu plus sérieux. Non, mais j'arrive pas trop à voir d'autres films de Jim Carrey. Après, je connais pas 36 films de Jim Carrey non plus, mais. Mais ça fait plus film sérieux, vous savez. C'est pas lui qui fait Eternal Sunshine of the Spotless Mind? Non, peut-être pas. Wow, quel titre compliqué. Il paraît que c'est super. En québécois, ça doit tellement donner. Le soleil éternel de l'esprit sans faille. Tu sais qu'en fait, apparemment, c'est une obligation au Québec de traduire les titres de films. Mais c'est pas obligatoire. Si. Parce qu'en fait, ils tiennent aux deux langues, quoi, en gros. Et en gros, tous les films sont traduits. Tous. Du coup, ça évite certaines aberrations. Il y a un canon pointé directement sur nous là. Du coup, ça évite certaines aberrations, genre The Hangover qui est traduit en Very Bad Trip. Oh là. Mais ça donne des trucs absolument magnifiques, genre Rapide et Furieux quoi. Ah, je m'inspire pas trop ce bateau. Hein. C'est un bateau pirate, hein, clairement. Ouais, je pense. Ah, quoique ça a plutôt une. T'es sûr que c'est pirate là? On a pas vu de. On a vu un galion? Un. Fagnon? Oh! Regarde-le! Toll! Oh là! Il est énorme! Et il a un piercing à l'aileron! Oh. C'est un ça, requin c'est punk. De quoi c'est... Hein? Oh my god. Tellement de choses différentes dans ce... Ah mince, alors il faut attention à ça. Ok. Ah voilà. Attention, il te bouffe. Hein. Ah bah il faut lui faire manger des barils de poudre. Ah oui. Ok, alors par contre, il a pas l'air d'être très intéressé par toi, mais par contre, moi, il... Attends. Comment on peut lui faire manger? Faut les prendre les barils de poudre? Non, je pense que. Ah, quoique. Non, on peut pas. Il faut l'amener dessus. Regarde. Voilà. Là, comme ça. Et là, tu le fais manger là. Ouais, mais comment? Là. Ah, appuie sur un. Non, il va falloir les pousser. Hein, bah, tu t'es mis du mauvais côté, mais je sais pas. Est-ce qu'on peut les aspirer? Ah, on peut les aspirer! On peut les aspirer et les tirer. Ah, peut-être qu'il faut lui faire merde. Péter dessus. Il faut lui lancer dessus au moment où ils vont exploser. Oh merde. Putain, mais c'est trop dur. Il faut lui lancer dessus au moment où ils vont exploser. Pousse-toi. Boum. Non. Il faut lui lancer dessus au moment où ils vont péter. Sinon, il faut faire vraiment gaffe. Oh. Fais juste attention à toi. Non mais ça va, des gens. Tiens, c'est qui a réussi? Bien joué. C'est moi. Attention. Ah, moi je me suis pété la gueule.
Oh. Ok, bon, il faut pas trop attendre, quoi. En fait, le truc, c'est que les barils lui rebondissent dessus. Donc, en fait, il faut vraiment attendre qu'il soit sur le point d'exploser pour les jeter. Ce qui est pas Hop. Très évident. Faut attendre qu'il ouvre la bouche, surtout. Ah. Ah, oui, bah là, pas comme ça, du coup. Mais il lance plus. Merde. Mais non, mais... Il faut juste attendre, non ? Il va finir par ouvrir la bouche, non ? Ah, voilà. Ah ! Échec complet. Bien joué. En fait, il faut le faire venir, quoi. Il faut le faire venir, c'est compliqué. C'est chaud, hein ? C'est dur, hein ? C'est très dur. Coucou Denver, comment tu vas ? Ah ! Alors, il doit y avoir un truc à faire, genre ouais. Soulever son truc. Genre ça. Oh, 40 dégâts, waouh. C'est à ce moment-là, il faut. Ah, bien joué. Vas-y, tue-la. Vas-y, je vais ramasser. Ah, mince. Évite de me le jeter dessus. Ok, bon, c'est vraiment cette attaque-là qu'il faut skipper. Attention. Ah, mais ça recommence. Oh non, mais je suis morte. Waouh, ok, mais ça va être très long là du coup. Ok, donc là, il faut. Là. Ah. Merde. Ça pue le décès là, non ? Attends, il y a un cœur là. Laisse. Oh là là. Au pire, laisse-moi me sacrifier, hein. Ah ! Au secours ! Au pire, laisse-moi me sacrifier, hein. Mais pourquoi ? Mais parce que moi, si je peux mourir à l'infini, on s'en fout. Je peux respawn. Pas comme ça. Merde. Oh merde, on est mort. J'ai essayé de te prévenir, mais. Mais moi, j'ai pas envie de pas jouer juste pour que toi, tu joues. Ça me saoule. Ah bah t'as passé l'écran de Game Over ? Oui. Quelle mauvaise perdante, incroyable. Il est dur ce fight du coup. Il a l'air d'être très compliqué. Yes. Ouais. Je cours plus vite. Bon, il a tout repété. On peut pas passer là ? Non. Non. Ah, c'est sérieux ? Ouais. Vénère ce boss, hein, c'est le premier qui nous tue. Ouais. C'est le premier game over en fait. Allez. Ah mais vas-y. Pourquoi je vais pas jeté dans la bouche moi. Ah bien joué. Bon, en fait, il faut vraiment se mettre au bord de l'arène, quoi. Ah. Allez. Il va te sauter dessus, je pense. Ah. Oh non. C'est pas juste. Tu fais exprès de te faire manger pour me deny mes barils. Vas-y, ah ouais, GG. Voilà. Bien fait. Allez. Bon c'est oh bon bah maintenant qu'on connaît vite, la strat hein. ça va super vite. Il est facile ça. Ah j'avais pas vu cette animation tout à l'heure. Attention c'est à toi d'esquiver hein. Oh attention. Ah merde j'ai... Attention. Oh non trop tôt. Ah merde. Il faut qu'il plante son crochet dans le sol. Celle-ci il faut juste l'esquiver. Et c'est celle où il lève son crochet qu'il faut. Là. Oh. Et là bim. Et là paf. Il a sweep. Et là, blaf, bim, bloom, blem. Voilà. Bams, bims, blooms, blem. Exact. Bon, on connaît la strat désormais. Ok, P1, pop des ZAD. Pop des ZAD. Oh,
On l'a eu quand même ? Non, c'est moi qui l'ai eu. Bien joué. Allez. Pas allez. Un... Ah ! Ah ! C'est bon. J'ai eu le cœur pour toi, en plus. Un peu comme dans la vie, quoi. Mmh. Ah ! Oh, pardon. Non, mais c'est bon. Ne fumez pas, les enfants. Par exemple, vous voyez ce capitaine requin, il souffre énormément d'un cancer des poumons. Ouh. Attention. Oh, bien joué. What? Qu'est-ce que... T'as utilisé la lampe? What the fuck? De quoi? Mais t'as skippé un truc là, on est d'accord? Non. Il a... Hein? Je t'ai pas vu utiliser la lampe. Oh, c'est pas vrai. Ah ouais. Le mur va se rapprocher, tu vas voir, ça va être horrible. Ah. Le cœur. Ouais, mais là il faut courir. Là. Le cœur. Laisse-moi le prendre, Cours toi, cours. Et donc là, de manière évidente, il faut courir et esquiver les trucs. Ah non, il faut s'accrocher. Accroche-toi. À quoi? Mais oh, il y avait une cible. J'ai capté qu'à la fin, mais on va décéder. Sors. Accroche-toi à la cible. En fait, tu vois, la cible va se lever. Tu dois tirer et t'accrocher. Mais j'en plus, j'ai essayé de faire ça. Hein? Ok. Ah, je te prends pour moi depuis tout à l'heure. Là, il faut le refaire. Cours! Vise! Aspire! Aspire! Ouais! Moi je vais mourir, on s'en fout. Wouah, Luigi! Tiens bon! Sa tête terrorisante! Ça ne va pas du tout! Ah! Allez! Oh non! C'est passé. Oh, mais je suis nul. Merde. Non, vas-y. C'est bon, je l'ai eu. Allez, c'est à toi. Ah. Ah. Oh, il bah, est sorti. Attention. Faut bien l'esquiver. Oh, il est trop mimi. Bah oui, mais là, écoute, mec, aucune pitié. Hein. Oula. Hein? Hein? Il me dissout au moindre regard. Attention, il va refaire son attaque. Oh, bien joué! Quelle esquive! Attention! Oui! Et c'est fait. Incroyable. Bah, ah oui, d'accord. Non, il va peut-être pas. C'est chier. Waouh! Épique ce combat! Ouais. Multos épicos. Mais il y a eu moult phases et Oula, la danse de Luigi. J'étais pas très sûr de ce qu'il a fait là. Je sais pas pourquoi manger en dessert. Oh. Oh bah c'est bien gentil ça. Il est tellement mimi. Par contre, ils vont être où les diamants sur ce monde là? Bah je sais pas. Parce que... Ou alors il se passe un truc. Je ne pourrais jamais monter les échelles. Non. C'est vraiment se moquer de ma passion des échelles quoi. Attends parce que... Je pense qu'il faut pas réveiller Todd tout de suite. Parce que c'est chiant c'est ça? Non, regarde. Viens. Il n'y a pas encore la musique de la victoire. Tu vois, contrairement à l'habitude. Et il y a un truc là. Non? Ça s'inspire pas ça? Ok. Si. Ya! Oh oh! Qu'est-ce qu'il y a? Ah voilà! Énigme! Depuis le ponton, aller à droite. Et il y a un truc sous là. Hein. Un truc.
trésor. T'as vu le mec malin? T'as vu le mec malin? Hello Arctic, comment tu vas? Aïe! Putain, il s'est fait mal. Comment t'as la forme ce soir, dis-moi? Tu sens quand même que Luigi il est jamais vraiment 100% sûr de ce qu'il fait au niveau de... et la barre là, on peut en faire. Oh oui. Allez. Ah mais ça m'a tué, vas-y wesh. Je me fais victimiser par le jeu quoi, c'est infernal. Bon, déçu un peu, je pensais que ça allait être un diamant. Ouais, pareil. On sait pas où sont les diamants de ce monde hein, finalement. Bon allez va. Réveillons le petit merdeux là. J'ai dormi comme un sac à main jusqu'à 15h. Je vais encore dormir à 7h. Ça va être ouf. Oh là 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 là. C'est vrai que Serge, je me souviens que à chaque fois que t'étais en vacances, tu me disais que ton rythme se décalait. Hein. Ah. Bien joué mon cher Luigi. Un autre tote de sauver. Comme d'habitude, il ferait mieux de venir au labo avec moi. Veux-tu bien l'escorter jusqu'à l'ascenseur? Quoi, c'est tout? Ok. Mais c'est bizarre. Voilà. Ça me fait toujours marrer ça. L'autre, on avait récupéré l'autre. Quelle est la vie de sac à merde que j'ai décidé de mener? Well. À l'avant du bateau, à l'avant. Mais non. Il y a peut-être des trucs, non? Tu vois, il y a des trucs là-haut. Il doit y avoir moyen, genre saute. Non. Ah, il faut lancer Todd. Ah oui. Viens là. Faut le jeter bien dans l'air. Hop. Bien joué. Il va faire ouais. Super. Quel bonheur. Super. Nice. Énorme gameplay. Ça se voit que je hais Todd ou pas? Ça c'est étonnant. Arctic. D'être comme ça un petit peu une sorte de flemmard. Bah, tu vas où là? Bah, j'essayais d'aller à gauche, mais. C'est à droite, c'est du ponton là? Non, c'est. Là? Ah non, c'était de ce côté. Viens voir. Viens voir. Ah oui. Ça a des questions, je m'appelle, hein, évidemment. Bah. Il reste une merdouille à aspirer ou quoi? Tu viens d'envoyer Todd à la mer. Oui, je m'en fous. Yo Seb, comment ça va? Salut Seb. Ouah, le passif agressif. Balance-la à mer. Ah bah voilà, tu vois, Yumo elle est de mon avis. Disons qu'en allant brosser les dents, je suis sorti de la salle de bain et j'ai croisé mon père qui partait travailler. Ah ouais, et moi j'allais dormir, ça quel plaisir. Je crois qu'il faut les finir les ponts, il y a une histoire comme ça, non? Non, comment ça se fait? Mais... Faut juste ah, ils doivent se mettre sous le sable. Comme ça. Oh voilà. Mais il n'y a pas de diamant. Attends, ça va venir, voilà. Il est là. Ah oui. Yes. Oh, attends, il y en a plein à récupérer là. Toad destructeur de speedrun de père en fils. Ah attends, c'est dans Mario Odyssey qui pète les speedruns. Fuck Toad. Ah là là, pauvre Toad, personne ne l'aime hein. En même temps, dans tous les jeux où il y a... Oh MDR. GG. Trop facile ce jeu. Attends, du coup... Par là-bas. Non, tu veux pas? Dans celui-là? Ah ouais. Ah, j'ai pas... Ah bah oui, parce qu'il doit boucher ton aspirateur. J'ai pas vu les speedruns du jeu, tu vois, vu qu'on n'a pas encore fini... Tu l'as toi ce jeu Arctic? Tu tentes le speedrun ou pas? Ou t'as vu un streamer s'y mettre récemment? Mais c'est vrai que pour le coup il doit y avoir des trucs à faire avec Toad. Parce que sur ce monde on n'a pas eu de... Il n'y a pas un truc à l'entrée où il fallait jeter quelque chose? Un télo. Ah, ok. De quoi? Ok, je connaissais pas ce streamer. Et dans les canons, c'est pas possible, je suppose. De quoi? Todd dans les canons? Je pense.
Et là, là. Avec c'est cette sirène là. Bah oui. Ah, what the fuck. Genre peut-être si on lui jette dessus, tu vois. Si on lui donne tôt dans sacrifice finalement à cette jeune dame. Ça a pas l'air de vouloir viser vers la jeune dame. Ouais. Ah mais tu t'es mise devant en fait, c'est pour ça. C'est parce que tu interrompais la visée. Pardon. Tiens, décale-toi un petit peu. Ouais, regarde, voilà. Ah oui. Attends, voilà, regarde, regarde, regarde. Oh putain. Voilà. Hein. Ah. 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 Bah vas-y, vas-y, je m'en occupe, je m'en occupe. Putain, ah non, bah il... Oh, putain. Vas-y, 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 je m'en occupe. Je gère. Non. Non, t'inquiète. Trop de pression. C'est bon. Ah. Ouais. Ouh. Allez. Vas-y, file. C'est pas vrai. Sacrifice, exactement. Je me sauve surtout à Speedrun RE2 Remake. Ah. C'est chaud hein, les speedruns de Resident Evil. Hein. Beaucoup de sang-froid sur la visée. Et beaucoup de pacing et de récupération de munitions, etc. C'est limite un speedrun de Zelda Breath of the Wild, tu vois. Bon, il nous manque deux trucs, je crois, sur ce niveau. Je crois qu'il nous manque deux trucs sur ce niveau. J'ai regardé tellement de streams que je connais déjà les speedruns. Ouais, bah ça, c'est... De toute façon, c'est obligatoire pour commencer à speedrun. Tu peux y aller solo, tu vois, mais il faut vraiment... Enfin, si tu vas solo, il faut y aller au début du jeu et il faut tryhard dès le départ. Parce que speedrun, globalement, c'est quand même vraiment un truc où c'est mi-talent, mi-connaissance de la route. Techniquement... Si tu rejoins la communauté speedrun en cours de route, prendre connaissance de ce qui se fait déjà, c'est une super bonne idée, tu vois. Tu vois ou pas? Bref. Gilias, ce bon vieux Gilias, il va toujours. Il va bien lui? Bon, comment est-ce que je peux martyriser Toad pendant que Zugi est pas là? Vu que Zugi met trop de temps, je vais martyriser Toad. Zugi! À chaque seconde qui passe, je trouverai une nouvelle torture pour Toad. Je lui mets la pression. C'est au cas où elle soit partie aux toilettes. C'est comme ça qu'on fait, j'ai vu. Les terroristes, ils font comme ça. Ils menacent les personnes auxquelles tu tiens. What the fuck? Regardez la tronche de Luigi. Quand t'aspires son nez par derrière... Ah, c'est tellement bizarre. Barre-toi, Toad! Mais parce que il est insupportable. Dans tous les jeux où il apparaît, il est insupportable. C'est tout, c'est pas sa faute, c'est pas ma faute. Moi j'ai pas le droit du chocolat. Super. Mais t'as pris ta... Oui. Okay. Bah tiens, prends la planète 1. La planète 1, d'accord. Oui. Je vais jouer la planète 1, c'est parti. Allez, go. Parce que moi, les enfants, je mange mon petit yaourt. Vous le voyez pas là à la cam, je pense, mais j'ai un maquillage incroyable. Aujourd'hui, t'as vu ou pas? Oui, c'est vrai, elle a mis beaucoup de paillettes. Violet, petit doré. Voilà. Alors, est-ce qu'on a des choses qu'on peut débloquer? Ah, bah oui, attendez, regardez. Déjà, ça, primo. Ça va, Seb? C'est quoi la nouvelle? Les nouvelles, un peu? J'ai l'impression d'avoir que. J'ai pas une nouvelle vraiment, enfin, pas que je t'ai pas vu, mais genre de nouvelles, genre qu'est-ce qui se passe dans ta vie, etc., depuis 1000 ans. En mode ouais, bah, t'es étudiant, amoureux de qui, donc, franchement, dans ta vie en ce moment, il se passe quoi, etc. Hello, comment ça va depuis tout à l'heure? T'es bras vont? Coucou Zugi, salut Mimi. Hello Léa, bah écoute, mes bras vont, coucou, je me suis demandé si j'avais pas... Il m'a dit oui, j'ai mis une petite poudre, en fait, si vous voulez, j'ai un caillot. je psychote un petit peu... Bon, ça va passer, hein. Mais et après, il me dit oui, tu psychotes avec le coronavirus. Oui, sauf que moi, j'ai des raisons de psychoter, si tu veux. Oui, bien sûr. La magnésie, c'est toxique, globalement. Tu le manges pas, tu le mets pas dans ta bouche. Et il s'avère que je m'en suis mis sur une plaie. Bon, désolé de me poser des questions. Désolé de me poser des questions. Tu crois vraiment que des mecs qui se mettent de la magnésie ne se sont jamais blessés sur une prise et ont eu de la magnésie sur la plaie? Si, mais ils disent de désinfecter, moi, je l'ai pas fait.
Donc le jour où je meurs d'une infection de, d'une infection de la magnésie, bah tu fais moins la maline. J'ai toujours dans les études et le voyage à Paris en avril avance de plus en plus. Ah okay. Oui, c'est vrai, il y a ça. Par contre, niveau santé, j'enchaîne mal à l'oreille et maintenant mal à la gorge depuis 4 jours. Oh là là, coronavirus. Il y a le corona. Mm. Courage, moi aussi j'ai eu ça, c'est très chiant. Le coronavirus ? Bon, écoute, j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de trucs en plus, donc on va peut-être aller au... On a essayé le tableau, là. Le tableau derrière ? À droite, là. Lequel ? L'insupportable. L'autre droite. Ah, celui là-bas, là ? Et sinon, niveau sentimental, c'est très calme, le tube de lycée. Alors, je suis un peu déçu. Même oh, la lumière, ça va venir, enfin ! Laissez le temps aux choses. C'est infernal, ça, hein. Mais ça, c'est, ouais, c'est les filles, typiquement. Hein. Elles veulent absolument voir maquer. Fin... Elle me menace avec une pince. Bon, je pense qu'on va aller à la suite de l'histoire. Hein. Ouais, mais c'est relou. Bah écoute, on aura pas fait c'est un pas 5%. Grave, mais c'est... Pardon. Bien, Yumo, casse-lui la tête. Ah là 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 là. C'est ce qui m'est arrivé là récemment. On parlait de You avec des collègues parce qu'on parlait de plein de séries, etc. Ouais. Et tu sais, moi, tu sais, j'ai vu des bouts et j'ai vu la saison 2. Mm-hmm. Et tu sais, dans la saison 2, salut, il est quand même vachement plus. Il est quand même. Coucou Blood. Tu sais, il est quand même vachement plus bizarre, assez pulsion et tout. Et j'étais en mode, ouais, moi, je trouve qu'il faisait un peu. Tu vois, genre. Tu sais, ça faisait un peu le mec qui lutte contre son instinct de mâle, tu vois, genre, tu sais, genre la scène bizarre où il va en arrière-boutique pour s'imaginer une scène de cul avec la nana qui vient de voir. Et je suis en mode, ouais, enfin, il fait, enfin, tu vois, genre, autant il avait vraiment l'air manipulateur, autant t'as vraiment, enfin, tu vois, c'est presque une excuse le fait qu'il soit un mec, enfin, tu vois ce que je veux dire ou pas. Mais tu sais, genre, il voit une meuf. Ouais. Et hop, il part se branler parce que ah, c'est une meuf, tu vois, genre tu vois ce que je veux dire. Et ça faisait vraiment genre non, je dois résister à la masturbation, tu vois, genre ça faisait vraiment ça. Et voilà. OK. Et non, c'est juste un psychopathe en fait, hein. Et voilà, c'est juste un psychopathe. Mais du coup, je trouvais ça tellement tellement naze que ce soit genre juste, tu vois, genre une espèce de lutte contre un j'en instinct. J'en ai marre, enfin, je sais plus écrire, je crois que mes petits au centre de loisirs m'ont fatigué. Ah voilà. Oui. Alors, je voulais venir tôt, mais j'avais 2-3 trucs avant que Nidori commence son stream. Ah oui, c'est vrai. Il stream là maintenant? C'est pas plus tard. Il avait... Tu sais que Nidori, il avait dit qu'il calquait ses horaires sur les miens. Bref, pardon. Comme Tom. Ah. Mauvaise idée. Bon. Tom aussi, il faisait ça. Ouais. Maintenant, plus trop. Il a fait ça, il a fait ça un instant et puis il s'est arrêté. Enfin, pourquoi est-ce que tu fais tes horaires de stream en fonction de stream oui, de quelqu'un d'autre? Oui, bah, parce que voilà. Il faut pas. Oui, oui, non. C'est très gentil, tu vois, de c'est même sympa. Et puis si lui, il a envie de passer de temps en temps, tu vois, c'est cool, ça lui laisse le temps. Mais bon, plagiat. Non, 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 justement, c'est l'inverse. Ils font en sorte d'avoir du temps pour passer et streamer en plus. Tu vois. Et faut pas. 21h23. Bon, alors, Léa, comment est-ce que tu vis cette nouvelle passion de ton chéri? Non, ça n'a rien fait. Si ce n'est que ça a un... Et dans les lampes, là, dans les boules? Dans les, bah boules. Les lampes boules. Dans les lampes boules. Je sais pas, mais moi de toute façon, Todd, je le déteste, donc tant que je peux le jeter sur quelque chose, ça me va. Vas-y. Ah. C'était une bonne idée, et il y en aura aussi à gauche une fois que tu auras fini. Okay. Pour faire en fonction de ses disponibilités, non plutôt. Oui, bien sûr, non, mais en vrai, c'est pas. Et bien c'est sûr, pas, et puis c'est pas une question de disponibilité, c'est une pas, question c'est de tes envies aussi. Mais c'est juste que voilà. C'est une question de tes envies aussi. Après si, voilà. Après si effectivement il a envie de passer, c'est bien de prévoir des moments. Mais bon, voilà, c'est ça. Ouais. Il faut pas se forcer en tout cas. C'est ça qui est très important. Après ça me semblerait gros que les deux soient là-dedans, mais bon. Ouais, ça me semblerait très gros aussi, mais bon. Il y a aussi le globe là dans lequel tu pourras tirer qui est derrière la caisse. Ah ouais? Il y avait une... Non, non, mais je sais pas, mais au cas où. Parce que je crois qu'on avait pu le faire tomber la dernière fois avec Luigi. Hein. Ouais. Tu vois le globe derrière la caisse, je sais pas. Ouais, je sais pas si ça se vise vraiment, ça. Non, tu vois, pas trop. Hmm. Non, non, mais je crois qu'on avait réussi à le faire tomber avec Luigi. Hein. Mais par contre, je me demande si en reprenant Luigi, je peux pas faire un truc sympa, là. Le bouton vert. Le bouton vert. Quel bouton vert? Non, ça c'était le truc pour aspirer. Ah, ça c'est la, c'est une prise. C'est une super prise. Mais je sais pas si t'étais là la dernière fois. Mais je pense très sincèrement qu'on avait tout fait. Hein.
Oui, c'était la super prise. En gros, c'est une prise sur laquelle tu branches ton aspirateur pour qu'il super aspire. Ouais, tu vois. Ah, par contre, voilà, ça c'était jetable sur le reste. Bon, ouais, on pouvait faire cette énigme sans Toad. Mais il n'y avait rien ici. Il y avait cette drôle de caisse enregistreuse. T'as pu faire un X, non? Bizarre. Il devait y avoir des trucs dedans. Wow, mais c'est super cool. Quoi? Qu'est-ce qui est super cool? J'étais pas la semaine dernière, oui voilà c'est ça. En fait on a une super prise et l'aspirateur devient un super aspirateur et il y avait le Titanic et il aspirait le Titanic. Globalement. D'ailleurs c'est quoi ces drôles de tracés au sol là? Ah je sais pas, essaye de le... Oh! Ah non. Well. Bon, y'a rien. Ah, suis-je manette. C'est bien qu'il fasse ce qu'il aime, mais ça m'agace un peu de faire attention au moindre bruit pendant 2 heures, vu qu'on a un studio qui est stream sur la table. Oh, après... Oui. Bah, par le luisant. Peut-être, ouais. Peut-être qu'il n'y a pas besoin de faire attention au bruit à fond pendant 2 heures. Aussi. Tu vois. Dans tous les cas, Léa, si je peux donner un conseil, tu vis là aussi. Et voilà. Moi je suis pas exemplaire loin de là, mais c'est si important de dire les choses. Si tu trouves que c'est chiant et que c'est un petit peu too much, t'as le droit de le dire. Même si je sais que Nidori il est hyper gentil et tout, et que voilà, mais le, le stream c'est quand même un truc qui prend de la place dans une vie, tu vois. Quand c'est quelqu'un qui en fait tout le temps, etc. Ça prend plusieurs heures déjà. Et s'il continue à en faire tout le temps, il y a un peu une routine qui peut s'installer, et si c'est une routine. Dans un agacement, c'est pas bon. Ça devient vraiment chiant rapidement. Et puis lui, s'il veut supprimer les bruits, par exemple, il peut prendre un micro casque. Ouais. Ça supprime déjà beaucoup les bruits, un micro casque. Genre tu pètes, on n'entend pas. Moi, je pète tout le temps en stream, on n'entend rien du tout. En fait, si vous voulez savoir si on pète, il suffit de regarder l'un de nos deux visages. Si l'un rougit particulièrement et que l'autre se marre, c'est qu'il y a eu un pet globalement. En vrai, il est pas streamer pro, il débute, donc il y a des bruits autour, on s'en fout. Mais même quand t'es streamer pro, on s'en fout s'il y a des bruits autour de toi. Tu dis, bah voilà, désolé. Fin... Bon, t'auras toujours un ou deux connards pour passer en mode « Il y a du bruit, il y a de notre... » Mais... Hein? Quoi? Et pourquoi on l'a laissé partir tout seul dans l'ascenseur? On l'a escorté jusqu'à l'ascenseur, c'était la quête. Pourquoi elle a un bout miniature? Et un gros bout surtout. Mais non, le gros bout il est là où il est là depuis le début. En fait c'est un mec avec une... Pardon. Ouais. On est tous des camarades, soit il se plie à la vie en communauté, soit il devient ennemi de l'État. Coucou Frankie Snow, comment ça va? On est tous des camarades, en effet. C'est à toi hein, au fait, hein, de Voice. Comment tu vas Frankie? Depuis... 3 heures? Je sais plus du tout la voix que j'avais fait. Oh, je crois que tu avais une voix de, tu sais, de quinca, de quinca de droite. De Bourges. De Bourges, de bonne grosse Bourges. Votre majesté, ce n'est qu'un contretemps. Il a l'air pas content, hein. Mais n'ayez aucune inquiétude. Nous allons y remédier. Luigi sera bientôt entre nos mains. Il me faut juste plus de temps. Bou ne parle pas, il fait juste pas content. Ça va. Mais on dirait Donald Duck. On dirait Donald Duck. Elle est vraiment amoureuse de lui? Bah, je comprends, il a des formes. C'est toi qui vibre. T'as un message. Ah, c'est qui? Bah c'est une catastrophe. Oh. Eh ben écoute, ça va, Franky, je te remercie. Tu as trouvé des Toads. Il ne reste plus que la princesse Peach et Mario. Bien évidemment. Peuvent-ils être retenus prisonniers
Quoi qu'il en soit, nous y sommes presque. Bye bye. Et il enlève son casque. Bref, allez. Désolé, je mets du temps. Ouais, j'ai vu ça. Est-ce qu'on va encore se faire piquer le bouton par le chat? Je vais vivre le stream, les jeux d'horreur ça me fait dormir. Ah oui, puis là en plus on est sur un jeu d'horreur. On est sur un jeu, si tu veux, très. Faut être accroché quoi. Faut avoir. Après voilà, ils sont vraiment. C'était quoi? Espace gym. Ah yes, parfait. C'est vraiment un jeu qui est pas trop, tu vois, sur les jumpscares, qui est plus sur de l'ambiance, ça s'insinue un petit peu dans ton cerveau et tout. Bah du coup, il exagère, Léa. Parce qu'avec un casque, très sincèrement, si je me mets à la porte et que je parle, vous ne m'entendez pas. Après, bon, ces casques-là, t'as pas forcément été habitué à du matériel pas cher, mais ces casques-là, c'est quand même... Ah, ils sont bien. Ah oui, d'accord. Mais, enfin, vous habitez dans un studio, voilà. Oh merde. Globalement... J'ai pas mis du... De quoi, du yaourt dessus? Du yaourt sur le matériel de pro? Non, ça va. Remets-le bien. Hop là. Ça dépend du casque, ok. Ça dépend du casque, mais globalement, ça va. Bon, l'espace gym! Ah bah oui, forcément, il y a ces petites... Ah! Les casques sont 50 balles, ça n'a rien à voir avec les soirées de gamme. Oui, ah, bon. Viens, viens, viens. Wouah! Comment là, on fait? Là, une halter! Oui! Oh non! Mais. Faut le casser. Keep in shape! Audio Technica. Ouais, hein. Comment on sort de cet endroit de merde du coup? On est piégé là? Ah, il faut que je me désintègre. Super. Donc, encore un bolossage en règle. Après, globalement, il faut juste faire attention au moment où tu choisis ton casque. Non, mais c'est moi qui dois me désintégrer. Il faut juste faire attention au moment où tu choisis ton casque. Ok. Faut vraiment juste faire attention au moment où tu choisis ton casque à prendre un casque unidirectionnel. Micro. Haters gonna help. Mais recommence. C'est infernal. Oh, ça va foutre la merde. Ah non, c'est de l'eau. J'ai cru que c'était moi qui faisais tourner le... Mais... On peut rien ça leur ne faire. Fait rien. Ça ne sert à rien. Ah oh bah vas-y, va décrocher. La musique diffusée sur la troisième chaîne conviendrait parfaitement à la salle de cardio. Oh là. Hein, troisième chaîne, salle de cardio. Retiens. Et pourquoi est-ce que ça nous a dit ça? Parce que je pense qu'il va falloir mettre de la musique. Attends, mais on est à l'espace gym et on a des putains d'énigmes là. Tu sais, faut pas croire, il y a des sportifs qui savent réfléchir. Hein. Mais que dalle. Bah, une fois, j'en ai vu un. Hein. On est là pour utiliser nos bras. Bon, salle de cardio chaîne. Unidirectionnel et non omnidirectionnel, exactement. J'ai dit omnidirectionnel? Pardon. First. Eh, vas-y, fous-moi un flash dans la gueule parce que j'ai trouvé avant toi. Pousse-toi. Bim! Ça n'a rien fait? Bah. J'ai vu la neige, je l'ai vu trop bien. Mais ça ne sert à rien? Bah, ça fait juste un petit pipi. En vrai, c'est trop cool, Léa. Y'a de la neige? Attends, vous êtes où déjà, Léa? J'oublie à chaque fois. Là, c'est la natation. À Lyon, à Skip, on va avoir de la grêle. Youpi. J'ai eu mon message en avant aujourd'hui, trop bien. Hey, c'est Blaze. Oh, on peut pas rentrer. Oh mon dieu. T'as vu la tempête de neige ce midi? Quoi? Hein? Merde. Non, nous on était plus obnubilés par les 3000 supporters italiens qui ont débarqué à Lyon. Qui vont débarquer à Lyon. Non, enfin, qui ont débarqué, c'est fait. Débarqué. Mais, pour le match. Mais pas à midi, quoi. Oh, quoi? Mais... Oh, oh, un ballon. Bâtard. Hey, un ballon, nous. Bah là, il faut que tu regardes par là. Enfin, Zugi.
Merci, oui, enfin. Match qui devrait être annulé. Ouais, ouais, ils ont essayé, mais ils n'ont pas voulu. C'est Kronk. Donc. C'est Kronk. Kronk à la piscine. Vous le reconnaissez? Mais quel méchant. Ah! Ouais, bah ouais. Ok, d'accord, je suis en train d'inspirer un fantôme soubrette, tout va bien. Tout va parfaitement bien. Il y a deux villes qui ont demandé l'interdiction et ils n'ont pas voulu. Il y a un violet encore. Ah ouais, super, d'accord. Elle me pique mon fantôme et en plus elle le lâche. Nickel. On part là-dessus. Puis elle ne met pas pour violet, comme ça on est tranquille. J'y arrive pas. Bah voilà. Allez, j'ai terminé le combat. Hein. Un moment, moi j'ai pas le temps. Hein. Y'a pas Abdonis, je suis triste. C'est vrai. Ouais, avec le coronavirus, exact, ouais. Ils ont pas voulu. Chaque Italien sélectionné sur des critères de voyage récent en Chine, oui. Est-ce que vous êtes allé en Chine récemment? Oui, bien sûr. Allez-y. Parfaitement, vous pouvez passer. On est Clermont-Ferrand, y a pas eu de neige dans la ville, mais là où je travaille au centre de loisirs, c'est un peu perdu dans la montagne, forcément. Ah bah, c'est clair, c'est Boise. C'est bien pour ça que on est. Enfin, y a beaucoup de gens qui sont un peu flippés, quoi. Bon, après, globalement, pour l'instant, c'est pas non plus catastrophique. Ah, il est là! Garde! Je vais péter son. Vas-y! Mais... Hein? Non, dans l'autre sens. Mais qu'est-ce qu'il fait? Je sais pas, c'était. Mais regarde, il se met dans une posture chelou! Mais... Et. Bah, je pouvais pas. Y'a les petits. Mais. Elle me pique tous mes fantômes. Ah! Oh là! Oh là! Des musclés! Je leur ai attiré leurs petites fesses. Alors, vu comment l'Italie est victime de ce virus, ramener des gens de ce pays, c'est pas une très bonne idée, surtout en masse. Après, ils sont 200 en Italie, ça va! C'est quoi la population de l'Italie, quoi? Non mais au pire, sur les 3000, il y en a 200 qui ont le coronavirus, ok? Déjà, tu vois, enfin, vous avez la logique ou pas? C'est-à-dire qu'on a 3000, on a 3000 Italiens, et 3000 Italiens qui arrivent, il n'y en a pas 3000 qui ont le coronavirus, vous voyez? Éventuellement, au pire, on a 200 nouveaux cas en France. Non mais c'est juste non, mais j'avoue, c'est chiant, éventuellement, mais... t'es juste en mode, bon, c'est peut-être pas la meilleure idée, quoi, enfin, tu vois, alors que... Mais bien sûr que c'est pas la meilleure idée. Les voyages, en ce moment, c'est pas la meilleure idée. Oui, voilà, c'est ça. En fait, Après... d'aucuns n'oseraient dire que la Chine, globalement, en règle générale, c'est pas la bonne idée. Mais ça, c'est raciste. Non, c'est pas raciste. C'est un problème de, c'est un problème d'éducation et de gouvernement pour le coup. Enfin, eux, c'est ça va plus loin que juste leurs origines. Ça va beaucoup plus loin que ça. Ils ont globalement des problèmes de. Oh. Salut. Oh, j'avais pas vu. Ouais, voilà, pocket, stop. Mais non. Non, mais stop. Arrête là, stop. On peut infecter une fois 1000 personnes, mais on peut pas infecter 1000 personnes une fois. Enfin. Il y a plein de souris. Toutes ces souris là. Ah, tu peux les faire bouger. Bah, je les fais sortir, c'est à toi d'aller chercher. Regarde, elles arrivent vers toi là. Fonce! Elles sont à gauche. Où ça? Attends. Vas-y, je t'ai fait sortir, elles sont là! Mais oui, mais tu m'as dit d'aller à gauche. Là! En fait, elles sortent d'un des deux côtés. Il faut que tu tiennes au niveau, au milieu de la cloison en fait. Vas-y là! Ouais! Tout se cache. C'est un peu fastidieux quand même, hein. Dans le vestiaire! Au fond! Ah, dommage! Allez, je te la renvoie. Voilà! C'est bon! Bon, il en reste deux, mais j'ai la flemme. J'ai vraiment la flemme, j'en ai pas. Ok, donc là, il faut que je me désintègre. Alors! Bon, on a la salle de bain, de manière évidente, ici. Et une autre salle. Tiens, juste aspirer ça pour pas retomber dans le truc. Oh merde, un encore truc bleu. Ah mais en même temps c'est normal, il y a quelqu'un qui prend littéralement sa douche, ça se voit là.
Bon. Oh là! Thibaut in shape! Eh mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais ils ont fait tomber des poids là, non? Oui. On peut leur piquer leur gant ou pas? Oh là. Mais. Je pense que le tien il faut lui piquer, hein. Bah ouais, non, j'y arrive pas. Bah non. Oh là! Là! Bah non, ah ouais, non mais j'essaie, waouh! Mais... Hein? Il va y avoir un truc à faire alors. C'est pas ça. What the fuck? C'est ouais, c'est apparemment là, c'est pas mal la merde cette année, la neige apparemment. On a des magnifiques résolutions prises par les gérants de station qui apparemment dans certaines stations souhaitent faire venir la neige par hélicoptère. Ce qui est bien une super bonne idée en termes d'environnement. Hein. Qu'est-ce qu'il faut faire là? Ah oui, il faut lui faire lancer les poids là-dessus, je pense. Quoi? Et pourquoi? Bah je sais pas, c'est comme péter déjà. Bah ouais mais... Putain mais ils font chier ces fantômes là. Je comprends vraiment pas ce qu'il faut faire. Ouais c'est ouf ça. Putain. Aïe. Alors. Putain mais c'est dingue, c'est quoi ce truc? Grappin, bah ça ne marche pas. Ah ou alors peut-être qu'il faut le grappiner quand il est on va se prendre un game over, ça va être infernal. Il faut le grappiner quand il fait ça. Non. Mais qu'est-ce que c'est que s'enfer? Il y a une logique là ou pas? Ouch. Oh! Comment? Qu'est-ce qui? Qu'est-ce que t'as fait? J'ai aucune idée. Il lui a lancé dessus. Oui. Ah! Chope-le. Ah, dommage. Je suis mort, j'ai été désintégré. En fait, il faut la tirer là. Eh oui, mais sans... Les stations vers chez moi ferment les unes après les autres. Ouais, bah c'est ouais. Normal. Comment ça grappine-moi? Ça va? Ouais. En dessous de 2000 mètres, il n'y a plus rien depuis 10 ans environ. C'est vrai que ça fait un petit bout de temps. Hein. Putain. C'est vrai que ça fait un petit Thibaut bout de temps. Thibaut InShape est enfin devenu un fantôme de YouTube. Oh, je sais pas quoi faire de tous mes churros. J'en ai 2000. Non, mais pareil, moi j'en ai 15 000, je crois. Et. Alors, globalement, ouais, il faut la tirer là en fait. Ouais, voilà. Faire en sorte, faut le faire tourner en rond ici, quoi. Voilà. Et là, il faut pas se mettre derrière, par contre. Il faut pas se mettre au niveau des. Voilà. Hop. Occupe-toi d'esquiver, hein. C'est tes points de vie qui comptent. Les miens, on s'en fout en vrai. Faut le faire tourner en rond, hein, je pense. Hein. En fait, il jette un truc quand il voit qu'on passe au milieu. Globalement. Donc en fait, faut vraiment l'attirer et passer au milieu au même moment. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Genre là, hop maintenant. Ah dommage. En fait c'est toi qui dois le faire venir. Je peux pas blairer Nintendo et leurs jeux, je viens juste pour le streamer. Fais purée mais qu'est-ce que... Attendez, j'ai raté la discussion, j'ai plus de modo. Quoi? Mais... Pourquoi on n'arrivait pas à l'aspirer là? Mais... Vas-y. Allez on termine. Voilà. J'ai eu la voix d'Homer Simpson, opiné. Mais pourquoi?
Ah oui, bah les... oui, donc les churros, effectivement. Hein. Le petit souci, c'est que y a pas 36 trucs à faire avec, quoi, pour l'instant. C'est vrai que je trouve des choses. Bah c'est parce que tu l'as pas fait aussi. Bah on a les trucs par défaut de Twitch, mais globalement... il était fastidieux ce combat. Hein. Ouais, c'était bizarre. C'était très chiant. Des énigmes dans une salle de sport, franchement, n'importe quoi. Mais ouais, globalement, les... Oh. Bah oui. Attends, Zugi. Je donne les goûts dans le sac de sable, ça fait des trucs. Ah non. Peut-être qu'en donnant 100 coups dans le sac de sable, ça fera des trucs. Mario, c'est bien... oui, 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 c'est bien ça, ouais. Non, non, pardon, excuse-moi. Il a fait une private joke. L'ami Seb, Frankie. En fait, Nintendo a une qualité de serveur absolument incroyable. Puisqu'ils n'en ont pas, en fait. Ils ont uniquement des serveurs pour faire le lien entre deux consoles. Et après, c'est du peer-to-peer. Ça, c'est bizarre. Je suis venu ici et il n'y avait rien, en fait. Et quand tu fais un jeu en peer-to-peer, globalement, tout se passe bien. Sauf quand le deuxième peer a une connexion de merde. Du coup, il est de notoriété publique que les gens viennent se plaindre de l'état des serveurs de Nintendo sur ce stream. Enfin, pas de notoriété publique, mais ici en tout cas, on le sait. Yes. Ah ! Saleté ! Il est à moi ! Non, il est à moi. Elle a essayé de me le piquer, j'hallucine ! Il va où là ? Ah ah ! Qu'est-ce que t'as fait? Mien! Nul! Mais comment ça, nul? T'es vraiment nul! Mais enfin! Comment ça, je suis vraiment nul? L'homme le plus méchant de la Terre. Mais ça suffit? Tant qu'on parle pas de la qualité de leur hardware, je reste calme. C'est-à-dire, pour le coup, au niveau hardware, Nintendo, ils sont qualis. Il y a les Joy-Con qui sont désastreux là, mais sinon ils sont calés niveau hardware. Ah oui, c'est vrai que moi je peux passer au travers des haltères et toi non. Ah! Saleté! T'as vu ce qu'ils ont essayé de faire les salauds? Ah ah! Ils essaient de me tuer. Énorme. Rapport qualité-prix, ils sont pas calés. Rapport composant prix, ils sont pas quali. Mais après, niveau miniaturisation, ils sont pas mal. Et c'est du matos qui tient sur la durée, globalement. Je veux ce sac. Je peux peut-être pas l'avoir. Oh ! Pourquoi ? Oui, du fric ! Là, oui, reste le pire rapport prix-puissance. Oui, mais ça, on s'en bat les couilles, ça, de la puissance. Si on veut un truc puissant, on prend pas une console, on prend un PC. Alors ça, c'est la chaîne 1. Ah, oh voilà. Oh. Les autres sont en train de se casser la gueule, en fait. Sévère. Ah, pardon. C'est le bordel. Mais oui, globalement, la Wii, c'était une vraie dose de puissance, pour le coup. En règle générale, les consoles Nintendo, c'est plus la course à la puissance depuis... En fait, ils ont arrêté avec l'échec de la GameCube. En même temps, qui joue à une console pour sa puissance? Et bah, il y a des joueurs PS4 qui sont persuadés d'avoir des bêtes de course. Mais là n'est pas la question. Si, je crois que les gens qui ont la Xbox One Scorpio aussi, ils sont un peu vénères, je crois. Attention. Ça a mal se passer, Zuki, tu le sais. Bah oui, voilà. Ah bah d'accord. Bah oui, bah en même temps, si tu cours pas, elle lance le tapis, elle s'arrête, elle regarde ce qui se passe. Mais oui. Allez, encore. Allez. Allez. Donne tout. Oui, j'adore. Donne tout. Oui. À moi. Bah vas-y, super, moi j'ai pas le droit. Nickel. Attention.
Ok, donc un seul tapis et Sezugi quoi. Je te pousse, il se passe quoi? Oh, c'est de la boue. Le meilleur exercice de cardio, tu sais, le meilleur tarot, essayer de jouer à Wii Sport sur une télé HD et pas réussir à comprendre ce qui se passe tellement la console est graphiquement en sueur, c'est chaud. Même pour les fanboys, bah en même temps, la Wii c'était pas de l'HDMI je crois. Hein. On était encore sur de la Péritel à l'époque. Donc ouais, globalement, on s'en battait les couilles. Globalement, on s'en battait les couilles. On a eu Zelda Toilette Princess, à partir de là, on avait besoin de rien de plus. La Wii, faut pas en parler. Comment ça, la Wii, faut pas en parler? Comment ça, faut pas en parler de la Wii? Ah là 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 là. Curie serait là, il serait pas fier de vous. Hein. Ah oui, d'accord, elle est carrément dans un mood là. Elle tente une approche de type séduction. Ah, il faut une clé. Ah putain, regarde ce qu'il y a là-haut. Oh. Une araignée. J'ai cru que c'était la clé. Oh là là. T'es en train de cheater là? Mais oui, il y avait eu Mad World, il y avait eu No More Heroes. C'est que des jeux où il n'y a pas besoin de graphisme. Hein. Enfin, que des jeux où il n'y a pas besoin de puissance graphique. Ah, joli easter egg. Oh, c'est pas vrai. Toi, t'aspires alors que moi, je pousse. La Switch peut au mieux servir de planche à découper le saucisson. Aïe, 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 aïe. Oui. Aïe, 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 aïe. Laissez les gens s'amuser. Essayez ça. Ça, c'est vachement bien comme truc. Yeah. Waouh. Détective Zugi. Bien joué. Et qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Bah, je sais pas. Attends, il y en a un deuxième de l'autre côté. Vas-y. Bravo pour l'argent. L'argent. Bravo pour l'argent. Les consoles, on s'en branle, seuls les exclus. Exact. Non, après, des fois, t'as des consoles qui ont le mérite. Enfin, pour le coup. Pardon, excuse-moi. Moi, perso, la Switch me remplit de joie. Vraiment. Mais globalement, il y a des consoles qui ont le mérite de proposer des petites innovations de gameplay. Pas forcément folichonne, hein, mais voilà, vous permettre de jouer à vos regarde, jeux. Regarde, il faut une position de yoga là-bas. Ah mais oui, c'est une salle de yoga. Hein? Qu'est-ce que... Ah. C'est un sac d'or? Ouais, je pense. Ok. Pas d'accord, le hardware des dernières consoles vaut un PC de milieu de gamme à prix bientôt équivalent. De quoi? Oui, mais ça, on s'en bat des couilles du hardware. Ah, regarde ce qu'il faut faire là. Attends. Attends, je range les tapis moi. Et voilà. Regarde là, ça là. Ah, mais. Ah non, mais t'es déjà. Bon, il y a une énigme avec ce miroir. Attends, hein. Je peux regarder à travers le trou. Il s'agit d'un conduit d'aération. Voilà. Tu crois pas qu'il y a des briques qui peuvent... Il y a clairement une énigme avec ce miroir. En plus, les posters, t'as vu, tu les aspires, mais ils reviennent. Regarde. Ouais, non, mais je pense donc qu'il y a pas que c'est de... pas ça qu'il faut faire. Ah, ah je pense sais qu'il y a un truc... Quoi? Regarde, là, plié, pas plié. Wow, quelle maîtrise. Attends, comment t'as fait? Faut aspirer. J'ai soufflé. Oui, faut voilà. Aspirer. Donc là. Ouais, c'est tu... fait. Voilà. Ah non, attends. Est-ce qu'on se positionne par rapport au miroir? Moi, je pense que comme ça, t'es bon. Tu penses que comme ça, on est bon? Ouais, okay. Mais je sais pas en fait. Tu galères avec le miroir. Tu veux que mais tu je... m'en occupe? Mais sinon, je t'emmerde en fait. Ok. Yes. Ah, c'est vrai que Zugi est maline. C'est vrai que Zugi est maline. Ah là 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 là, on a deux membres de la PC Master East qui se sont trouvés sur le chat. Ah non, c'était peut-être l'inverse en fait. Bah on verra si c'est l'inverse, on a juste à inverser. Voilà.
Bingo, hein. GG Zougi. J'ai envie de dire. Bingo, GG, propre. Ouh. Oula. Oh, les briques de yoga, là. La li li. Ouh. Ah. Ouah. Oh my god. Oh, il y avait de la flotte, mais vas-y. Ah putain, d'accord, c'était obligatoire en fait comme truc. Oh, ouais. Je suis un peu déçu, je pensais que c'était un truc. Mais par contre, pour le coup, on peut pas revenir en arrière. Ah si. Attends, mais il y avait un truc à gauche là, non? Ah. Attends, pour quoi? Les gars qui veulent jouer à des jeux downgradés pendant 5 ans sans rebuy de matos, ça le fait. Après, ils savent pas lire, donc rip pour le montage. Mais non, mais après, tout le monde n'a pas les compétences aussi en électronique pour se monter un PC. Il y a un truc en haut, par contre, je pense. Ouais. Au coin. Enfin, et quelqu'un de sensé. Putain, mais allez regarder Sardoche et laissez-nous tranquilles. Non, mais globalement... globalement, en fait, il faut juste jouer à ce que vous avez envie de jouer, c'est tout. Et voilà. Oh. Moi, on me sort Zelda Breath of the Wild sur Switch, j'achète une Switch. On me sort Persona 5 Royal sur PS4, j'achète une PS4. Ayez de l'argent, ne vous posez pas la question. Finalement. Quand je t'ai dit... Ah mais... Sinon, je t'emmerde, j'ai eu l'impression de m'entendre moi. Oh, il est là, attends. Ah, ils sont pleins. Ah, mais ils sont en train de faire des exercices. Bah, ils font du yoga, les pauvres. Ah, ah. On a aspiré ces deux. Oh, oh, oh. Attends, c'est le violet qui va péter. Le violet. Le violet. Bon, bah, ah, j'ai pas eu mon mot à dire. Oh là, oh, la manière dont il a fui là. Ouais, il avait peur. C'était particulièrement pathétique. Ouais. Des compétences pour monter un PC. Oui. Oh là là, mais oui, ça oui, mais oui, oui, si 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 si. Tu sais quoi, on dirait tu sais le premier de la classe qui est en mode non mais en fait c'est hyper facile en fait. Enfin, t'as juste à apprendre. Si si, non non, mais vraiment hein, comprenez-le, il faut des compétences. Putain, mais vas-y, bon bah t'es solo. Ah bah c'est les douches hein. Écoute Timothée, voilà. Je vois rien. Je ne vois rien. Au secours. Mais c'est pas une question de trigger là. C'est juste que pour arrête le coup, ça, c'est juste que dans pas longtemps, si on pour le coup, elle a raison. Mais non, globalement, c'est juste, je vous dis, allez voir Sardoche et voilà, laissez les gens. Mais non, mais vraiment, en fait, c'est même pas une question de trigger ou quoi. Donc, c'est juste à que la si pour vous, c'est ah oui, bah je pense qu'il suffit juste de les flasher, non mais sinon, mais tu vois... ah non, je peux pas les flasher. Bah, il faut que tu les ah oui, faut que tu vises mieux, légèrement je à gauche, vise, là, je vise. Légèrement à gauche. Ah, t'en as éteint une, Bien joué! La dernière! Tu prends 3 heures de ton temps et tu y arrives. Non, parce qu'avant ça, tu as dû comprendre quels étaient les composants que tu avais mis dans ton PC, etc. Mais c'est clair, mais. En fait, le problème, c'est que le montage du PC, c'est hors de portée d'une personne moyenne pour la simple et bonne raison qu'il faut comprendre ce qu'il y a dans ton ordi. Exactement. Là, tu vois, Timothée, typiquement, pour faire le mien. Enfin, faire le mien, on l'a pas fait, mais pour choisir les composants, il m'a tout expliqué, ce qu'étaient les composants, ce qu'était, enfin, c'est complètement, mais ça, très sincèrement, c'est vrai, c'est et vraiment putain. Un gros truc. Et j'ai dû demander de l'aide à Sebway, parce que je suis pas assez calé. Vraiment. Ça, c'est... En termes de rapport qualité-prix, je suis pas assez calé pour trouver des... Bah oui, forcément, les fantômes m'attirent dans la flaque, moi. Il y a une flaque au coin de la map, tous les fantômes ont moins mis dedans. C'est complètement méprisant et élitiste de penser que tout le monde comprend tout en informatique. Et enfin, je veux dire, c'est... Mais c'est même pas forcément une question de d'élitisme ou pas, on s'en bah fout si, ça. Si, si, de penser c'est que surtout... tout le monde comprend et que tout le monde est OK et que tout le monde a plein de connaissances pour pouvoir effectivement choisir. Enfin, il y a plein de gens, ils savent même pas ce qu'il y a mais dans un PC. C'est même pas fait. Une question d'élitisme, c'est juste se fourrer le doigt dans l'œil jusqu'au coude, quoi. De oui, s'imaginer que les gens sont... C'est une forme d'élitisme, quoi, de... complètement voilà. Ah c'est bon, tu as lancé ce débat hein, ça suffit hein. Ouais, c'est clair. Enfin, tu as lancé ce débat, tu as participé à son lancement. Tu as aspiré, non? Ok, et là c'est l'argent, c'est ça? Ouais, normalement argent. Vous voyez, l'argent résout beaucoup de problèmes, donc ayez de l'argent. Bah, va dans le 9 et fais en fonction de ton budget. Et là non, mais je te dis pas que c'est dans le budget des gens, mais
dire que tout le monde peut se monter son... Enfin, la plupart des gens, je pense qu'ils savent même pas qu'il y a des gens qui se montent leur PC tout seul. Je veux dire, on en est là, tu vois, enfin... C'est être complètement naïf de penser que les gens sont hyper au fait. Il y a des gens, pour eux, le high-tech du high-tech, c'est la Fnac. Bah oui. Il y a des gens, pour eux, ils vont voir un conseiller Apple qui leur vend un MacBook. C'est la meilleure chose qui leur sera arrivée de leur vie. C'est juste qu'ils, c'est pas parce qu'ils sont cons. C'est juste que voilà, tout le monde a des compétences dans son domaine. Et... Enfin, voilà. C'est élitiste d'attendre des gens qu'ils comprennent comment marche le PC qu'ils payent 800 boulards. Mais. Globalement, oui, ça par contre, oui. Oui, enfin, désolé, globalement, oui. Mais. Oui, complètement. Et oh encore, putain! Et encore une fois, là, c'est même pas comment marche ton PC, c'est carrément. Quels sont les composants? Avoir et... l'idée de dire, eh ben, je vais le monter moi-même, alors que j'y connais rien parce que ça m'intéresse pas, par parce exemple, que... forcément de ouf. Et t'as plein de problématiques qui sont liées à ça, le bottleneck, etc. Enfin, y a plein de problèmes liés au fait de monter un PC. Je te dis pas que ça devrait pas être enseigné, etc. Ça, je suis complètement d'accord parce que c'est hyper important. Oh putain! Mais juste penser que les gens savent tout. Zugi, c'est à toi de te concentrer sur alors ce fight. Moi, je peux rien faire. C'est à toi de te concentrer sur ce fight, Zugi, je peux rien faire. Je n'ai pas le droit de venir. Alors attends. Je pense qu'il faut lui renvoyer son ballon sur la gueule. Mais oui, non, mais par contre, monter un PC, ça ne demande pas plus de compétences que ça si tu sais chercher les tutos sur Internet. Mais oui. Mais il y a beaucoup de gens qui ne savent pas. Mais il y en a plein qui savent même pas qu'on peut monter un PC, en fait. Faut aussi comprendre ce que tu achètes. Eh bien, non. Bah, non, mais si, je suis d'accord avec le fait qu'il faudrait. Ça, c'est pas la question de est-ce qu'il faut ou pas. Mais c'est la question de... T'as vu, il me fait des... Je pense qu'il faut lui jeter le ballon sur la gueule. Hein. Ouais, mais j'y arrive pas. Tu peux viser sa tête, hein, c'est possible. Voilà. Voyez. Ah ah! Tu lui as coupé en plein le plexus, ouais, là, ouais, ça fait super mal. Par contre, là, il faut faire un truc maintenant, du coup. Oui, mais... Ah, il fait des bulles! Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Bah, peut-être qu'il va sortir qu'est-ce de l'eau. Que ça, qu'est-ce que c'est ça? Ça fait un truc, peut-être? Ah, c'était à moi d'intervenir pendant qu'il était. Oui, parce qu'il était, il était down et c'était à moi d'intervenir, du coup. Ouais, vas-y, il faut que tu le down. Vas-y! Ok, à moi! Okay. À moi, et là, qu'est-ce qu'on peut faire là? Bah, je sais pas. On peut aspirer ça ou pas? On peut le pousser? Regarde là-bas, il est. Ah mais non, regarde. Ah, je peux passer par la barrière. Oui, c'est ça. Vas-y. Tu l'as. Là, il va. Vas-y. Ah merde. Vas-y, c'est à toi là-bas. Ok, on l'a compris. Ah merde. Les gens se feraient moins enflés, bien évidemment. Mais les gens n'ont pas le temps d'apprendre ça. Mais ça, je suis complètement d'accord sur le fait qu'il faudrait. Vas-y. Tu peux pas attendre de, je sais pas moi. D'un garagiste de, tu vois, enfin, c'est. T'imagines si le. Attends. Enfin, chacun a ses compétences. Ah, mais le bâtard! Ouais, bah reste là-bas en fait, je sais pas pourquoi. Bah oui, mais il m'a arrosé. J'y peux rien. T'es où là? Bah, je suis mort. Vas-y, c'est à toi de l'avoir. Vas-y, mais place-toi. Mais je suis placé! Mais il faut qu'il soit down, sinon il m'arrose tout de suite. Voilà, go. Et donc là, je dois tracer. Sauf que le problème, c'est que j'ai pas beaucoup de temps. Là, il va me voir, tu vois. Bien joué. Oh là là. Bien ouais, elle a réagi. Insane. Yes. Hein? Je paye j'ai vu Paris dans Destination Finale. Pardon, excusez-moi. Je paye pas une bagnole 6K sans savoir ce que c'est comme moteur et à quoi ça correspond, ne serait-ce que vaguement. Bah tant mieux. Beaucoup de gens, si. Tant mieux. Personnellement, moi j'aurais une voiture, je ferais ça. Sûrement. Tant mieux, c'est... En fait, quand t'as un truc utilitaire qui t'intéresse pas plus que ça... C'est exactement ça. Tu te poses pas la question. Moi, très sincèrement... Et c'est d'ailleurs pour ça, du coup, que les gens achètent des consoles. Bah oui. Et pas un ordinateur pour jouer. Parce que pour eux, un ordinateur, ça sert à faire du traitement de texte et des consoles, ça sert à jouer. Donc là, il faut descendre, je pense, dans la piscine. Ça me paraît sensé. Là. Et lui jeter des ballons de volet sur la gueule. Non, franchement, si j'achetais une voiture aujourd'hui, je pense que je dirais... Ah, le bâtard. Je veux pas qu'elle soit très chère, solide. Voilà, après, le reste... Ah oui, il faut le ballon, ensuite l'aspirer. Vas-y, aspire. Ah, pardon. Merde. Il faut le ballon, ensuite aspirer. Alors, ballon, aspire, vas-y. Non. Les lunettes. Il faut aspirer, excuse-moi, on la refait, j'ai été pas explicite. Ballon. Ensuite, tu aspires. Non, et il faut pas que tu t'approches là, voilà. Merde.
Ok, là on aspire lunettes. Ah non. Oh, putain, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Là, on aspire lunettes. Ok, là on le flash. Et là on l'aspire. Vas-y, je suis là. Allez, il meurt, c'est bon. Waouh. Après, c'est le boulot des informaticiens. Oh non. Oui, oui, c'est sûr. Non, mais en fait, enfin, par exemple, là, moi, la dernière fois, j'ai eu une dame. Donc, quand à la librairie, on met des coups de cœur sur les livres, donc avec des rubans en papier, avec marqué ce qu'on a pensé du truc, on met nos coups de cœur sur les livres, par exemple. Et bien, il y a plein de gens, ils comprennent pas pourquoi je veux pas leur donner le coup de cœur. Ils sont en mode, mais qu'est-ce que c'est? Merci, Tienne. Qu'est-ce que c'est? Ah bah oui, j'aimerais bien le garder. Bah non, parce que c'est un coup de cœur, donc vous imaginez si on devait le réécrire à chaque fois. Ah, mais c'est vous qui les écrivez. C'est écrit à la main. C'est vous qui les écrivez. Et du coup, je peux pas le garder. Bah non. Tu vois, enfin... Tu vois, les gens ne connaissent pas le fonctionnement des... Enfin, chacun est dans une bulle, en fait, et du coup... Enfin, autant pour moi, ça me paraît évident. Bah non, je vais pas te donner mon coup de cœur, parce qu'après, si à chaque fois que je le vends, je dois le réécrire, enfin, à un moment donné, c'est débile. Après, il y en a qui poussent la connerie plus loin que d'autres. Après, mais... c'est sûr que... Bon, il y en a qui... Oui, c'est sûr qu'ils sont pas... Mais, tu sais, quand c'est pas ta sphère de... Moi, typiquement, tu sais là, c'est parce que Tim m'a expliqué et tout pour les ordi, pour un petit Et encore peu... une fois, moi, pour les composants, pour savoir, pour éviter... Enfin, pour monter un, ouais. PC de jeu, j'ai dû me tourner vers Subways, parce que je connais pas... Les différents composants aller, là, qui vont en fait. À droite, les différents composants qui vont bien les uns avec les autres, parce que par exemple quand tu fais des traitements qui peuvent être un peu lourds, du genre d'ultra, etc., tu peux avoir les problématiques de bottleneck que t'as pas forcément étudié, donc bref, t'as toutes sortes de... Et quelqu'un qui n'a pas du tout cet environnement là de mec un peu intéressé par la tech, etc., tu demandes à qui? Rate ça. Enfin, tu vas aller sur des forums d'informaticiens, mais tu comprends rien. Enfin, c'est du charabia pour toi. Donc, bref, voilà, globalement, les consoles, ça fait sens. Et en plus de ça, tu ajoutes le côté image de marque, qui marche très bien avec des produits, par exemple Apple ou Samsung. Et tu rajoutes les exclusivités. Le gaming console, ça fait sens. Moi, tu peux jouer un match de foot. Si on t'explique en 10 minutes les règles, tu monteras pas un PC avec 10 minutes d'explication. Bah, c'est clair. Même si, comme pour tout, avec du temps... Non, mais ah, c'est sûr. Mais... Non mais c'est sûr. J'avais prédit ce bâtard. Non, il fait chier. Il va encore nous ramener dans un étage de merde là. Oui, non mais bien sûr, Francky. Mais bon, voilà, c'est clairement. C'est Skitty, le chien qui arrive. Ça. Mais bon, de voilà, de si tu veux t'apprends, si tu veux apprendre, t'apprends, etc. C'est pas aussi simple que ça. Sinon, tout le monde saurait tout sur tout et voilà, et personne se. En fait, globalement, si. Mais par contre, il faut accepter. Je pense que les gens ont pas forcément envie d'apprendre. Tout simplement. Et puis surtout la possibilité, le temps, le temps, la liberté de... On peut passer par la droite. Quel connard ce chat. Ah bah non, mais c'est par là-bas qu'il fallait, de toute façon. Vous êtes... Bah non, moi je l'aime bien. Ah non, mais le chat, il est détestable. Moi je l'aime bien. Il est insupportable. Le chien avait l'air si content de le voir, mais le chat s'en fout, quoi. Ah bah ça reste un chat, hein. C'est pas sympa, normalement. Personnellement, je trouve pas ça choquant que des gens n'aient pas envie d'apprendre c'est un truc qui n'est pas de leur domaine de prédilection. Et puis en plus, qui prend du temps si tu veux vraiment comprendre. Enfin, c'est... Encore une fois, quand on revient à l'exemple de la bagnole, Francky, moi j'ai pas envie de ça. Enfin, tu vois, je suis pas particulièrement intéressé par les voitures, j'aime pas conduire, etc. Bon, bah le jour où j'aurai mon permis, je ne saurai pas forcément ce qu'il y a dans mon moteur. Et le jour où j'aurai besoin de réparer un truc, eh ben, j'irai voir un garagiste. Voilà. Et j'aurai une voiture fonctionnelle. Mais si le mec me dit ah bah là c'est évident, vous avez qu'à ouvrir pour savoir, je lui dirais bah écoutez, je vais voir un autre garagiste. Non mais c'est vrai, il y a juste une foultitude de domaines où t'as juste pas envie d'apprendre et où t'apprendras pas, et voilà, c'est juste que c'est pas la tech, mais enfin. Mais heureusement que t'apprends pas tout sur tout ce qui se passe dans la vie. Toi, regarde la bouffe, t'en as rien à foutre. Alors que clairement, ça va te donner des maladies horribles. Voilà. Typiquement, tu ne prends pas le temps de te renseigner si le vrac, ça peut être moins cher que le... Bah non. Juste parce que tu ne peux pas t'intéresser à tout, en fait. C'est normal. Faudrait un permis PC, alors, comme ça tu dois taper des fiches techniques avant de t'en servir. Oh, le bordel. Pas le chat... Attends, il y a un truc qu'on a oublié de faire. Reviens dans la douche.
C'est que avec ça, on peut détecter les traces de son pachage, tu sais. De son pachage Ouais, de son pachage. Kiwi. Voilà. Pour un chat, c'est logique. Oh, il est là-dedans, attends. Regarde-le. Ah, la saleté. Yeah. On le bute. Putain, son gros cul s'est coincé dans le mur. Son gros cul. Il est à gauche, non? Ouais, oui. En plus, on a encore un combat nul contre lui, là. Il s'est planqué là-dedans. Attends. Je sais les Vas-y gérer, les petits cons comme lui, là. Bim! Oh, quoi? Oh, je l'ai défoncé! Putain, j'ai fait une réussite critique dès le premier coup, quoi. Il appelle des fantômes. I feel you, bro. Non, non, mais c'est super, des gens qui s'intéressent à tout comme vous. Moi, j'adore. Non, mais globalement, c'est bien de s'intéresser aux choses. Je dis pas non. Oui, oui. Mais non, globalement... Mais à tout pour jamais se faire enfler. Je suis sûr que vous ne faites jamais enfler de toute votre vie dans tout ce que vous achetez. Globalement, je pense que c'est par contre parfaitement concevable qu'il y ait des gens qui utilisent un outil sans savoir comment est-ce que... Enfin, je veux dire, personnellement, j'utilisais des tournevis avant de connaître tous les formats de tête de vis existants, tu vois. Enfin, par exemple, tu vois. Bloop. Saleté de chat. T'es trop mignonne, Léa. Alors, où on en était? Ah oui, il fallait qu'on le cherche. Elle est passée où, du coup? Tu te rappelles où elle est allée? Yoshishi Re elle est allée à droite, là-haut. Oui, bien sûr, mais est-ce que tu le fais sur tout ce que tu peux faire? Tu vois, genre, typiquement, je te dis, bah, la bouffe... Quand c'est à ta portée, il pose des questions. L'énergie, typiquement l'énergie, non, mais il le dit quand c'est à sa portée, oui, il se pose des questions. Mais quand c'est à ta portée? Ça, c'est à ta portée. Enfin, tu vois, tout ce qui est... Elle est là. Non, elle est dans regarde, ce cas. Elle est ici, elle est ici. Ah oui. En tout cas, les la traces bouffe, s'arrêtent. L'énergie, ah, attends. Attends, j'essaie de réfléchir, attends. Quoi d'autre. Qu'est-ce qui est pour toi, STP. Ah, tu crois qu'elle est dessous? Bah, en tout cas, les traces s'arrêtent, ah, voilà, oui, tu vois. Oui, tu as raison. Ça continue par là? Bah, bien sûr, les apus, non, mais bien sûr. Et puis après, il faut accepter qu'il y a des mais gens y a qui... Trucs que... Mais il y a d'autres trucs que tu connais, par contre... Ah oui, le chien vous aide. Ah oui, vrai, ouais, effectivement, il est où, ouais. Du coup oui, si, parce que bah, voilà, tu vois. Bon, c'est à côté. Tiens, ça me rappelle le 1, ça. Le 1 où bah, on l'avait pas à faire fait apparaître. Ça. C'est où? C'est quoi? C'est un sac? Non, c'est une sonnette. Les PC, les gens sont convaincus que c'est dur, mais en vrai, mais bien sûr que c'est dur. C'est quand même compliqué. Enfin, je veux dire, c'est une technologie. C'est, tu vois, c'est pas. Enfin, je veux dire. Il fait le con là avec son herbacha. Il a une herbacha. Il faut le défoncer. Mais comment? Pour les gens qui, par exemple, n'ont vraiment pas l'habitude de l'informatique, qui ont pas du tout ces notions de... Mais bien sûr que c'est compliqué. Enfin, c'est. Courage, Seb. Quand tu je sais vois pas si tu par exemple, mais courage. Quand tu vois par exemple, enfin, je sais pas. Par exemple, mes parents, tu vois, ils veulent s'intéresser à l'informatique, tu vois, ils s'y intéressent. Non, mais Francky, le montage, c'est des Legos. Oui, mais quel Lego tu choisis? En général, tu vois. Quel Lego tu choisis? Mais, tu vois, genre, mes parents, ils s'y intéressent, etc., à l'informatique, mais, par exemple, pour leur génération, qui n'ont pas eu forcément l'habitude, etc., il y a plein de trucs. Enfin, tu vois, tu sens que c'est pas... C'est vraiment dur à concevoir, en fait, à conceptualiser. C'est... Typiquement, à quoi servent les trucs? Enfin, comment est-ce qu'on peut l'avoir? Pourquoi est-ce que tel composant, tu dois le payer plus cher qu'un autre? Voilà, qu'est-ce qui est vraiment important comme composant? Enfin, tout se cache. Qu'est-ce que ça va te permettre de faire aussi? Parce que t'en as, ils veulent un PC pour avoir un PC, tu vois, mais ils en trouvent les usages après, tu vois. Sauf que du coup, bah, si j'ai pris un e-book à 400 balles parce que le vendeur de la Fnac m'a dit que ça permettait de faire tourner Word et que finalement je me rends compte que je peux pas... Enfin, tu vois, il y a... Je pense que c'est quand il fait ça, là. Est-ce qu'on peut lui tirer dessus? Mais oui, je pense qu'il faut faire un truc, il faut lui tirer dessus, quelque chose dans le genre. Quand ou alors il aime quand pas il l'eau. Descend la tête. Est-ce que l'eau va servir à ça? Non.
C'est vrai que c'est tout pour l'instant, à part te faire chier toi, on a pas su à quoi... Ah, tire, vas-y. Mais j'y arrive pas. Tu l'avais. Il est insupportable ce chat. Je le déteste. Mais comment est-ce qu'on peut c'est le faire? C'est pas ça. Et ça, ça fait quoi? Bah... Pff, ça fait ça, mais... Ça sert à rien, c'est juste excessivement énervant. C'est vrai que ça m'étonne que ça serve à rien à la fois. Je troll un peu, tu as raison, le fait que ce soit une passion biaise probablement. Ah bah c'est clair, mais c'est sûr. Mais après, le truc c'est que oui, effectivement, que n'importe il faudrait... quelle passion dont tu parles, enfin, si vous voulez, je vous fais un commentaire de texte sous vos yeux, je vous assure que c'est que des Legos, hein, mais vous allez pas comprendre. En fait, le truc c'est que normal, globalement. T'as appris, malgré tout, t'as appris. Mais je suis d'accord par contre sur le fait que je pense que ça devrait être beaucoup plus enseigné, tu vois, typiquement. Mais autant effectivement savoir ce que t'achètes comme bouffe quand tu peux, quand t'as la possibilité, etc. Et savoir qu'il y a certains trucs qui sont meilleurs pour la santé mais moins chers, tu vois. Enfin, je pense qu'à l'école ça pourrait complètement s'apprendre. Tout autant que, bah, typiquement, l'informatique c'est essentiel de nos jours, tu vois, de comprendre ça. Mais aujourd'hui c'est pas le cas. Alors attends, je sais bien là, sûr, Seb, mais tout le monde n'a pas ces personnes-là à disponibilité. Bah ouais, c'est clair, Seb, ouais, c'était un plaisir d'avoir ton aide, etc. Pour comprendre tout ça, moi, tu vois, maintenant je comprends vachement mieux le fonctionnement du PC et tout ça. Qu'est-ce que. On peut lui piquer son herbe à chat peut-être en aspirant ? Je sais pas. Je vais aspirer pour tenter de lui piquer. Là, je t'avoue, je suis perdu. Il est chiant ce chat. Est-ce qu'on peut aller. Et si on va là-bas ? On peut pas. Lui lancer un ballon ou la ça on peut pas l'utiliser. Oh, attends. Ah c'est un cop. Ah putain bah oui il y avait la flèche qui l'indiquait. Ah oui c'est vrai. Nya. Oh. Bah t'as raté. Et puis voilà après il y a des gens pour qui c'est dur d'appuyer sur un bouton bon écoute. Ah c'est clair. C'est voilà. Si les gens étaient plus au courant de ce qu'est l'informatique, Apple aurait moins de ventes dans le grand public. Bah par exemple, c'est tu clair. Vois. Par c'est exemple. Sûr. Effectivement. Si les gens savaient après, que c'était de la grosse arnaque. Si les gens étaient plus au courant de des circuits de la grande distribution, bah tout le monde irait dans les petites boutiques. Non parce si que les ça gens... pour le coup c'est une question d'argent. Donc c'est différent. Il y a aussi une question oui, c'est vrai. De. Oui, il y a aussi une question d'argent. Une question même s'il y a de certains trucs, tu vois, typiquement nous on a découvert que genre la lessive en vrac. Attends, pousse-toi. Mais en magasin bio, pousse-toi, puisqu'on l'achète, et ben c'est vachement moins cher. Ouais. Ah yes, GG. C'est vachement moins cher. Ah, mais c'est pas ça qui va le faire venir. C'est vachement moins cher de ouf que celle que t'achètes à Carrefour. Par tu exemple. Vois. Tu vois, et ça, tu vois, typiquement. Tu cherches des romans de SF. Asimov style, c'est qui Asimov? Bah, Asimov, c'est. Qu'est-ce qu'il a écrit? Bah, le nom c'est vient lui truc, les lois mais... des robots, je crois. Ah je confonds avec l'autre. Je confonds toujours les. Les trois lois de la robotique et Orwell. Il y en a un autre qui. Mais non, non. Non qui a fait de la. De j'ai la dit SF, les deux noms de mecs qui font de la SF que je connais. Si Damasio aussi je connais. Damasio, c'est magnifique. Ouais. Mais ça n'a rien à voir avec Asimov. Les robots, oui, voilà, mais c'est qui l'autre? Il y en a. Enfin, c'est qui l'autre? Elise Moon, il a joué dans Robot. Mais il y en a un qui est vraiment très très connu. Attends, mais je crois que c'est ça, hein, parce que ça a l'air de se. Oh! Putain, mais. Non. Oui. Mais non, si, non. Ça fait un truc là, mais si! Ouais, mais en fait, il fait des gauches-droites, ce petit con! Mais là, regarde, ça truc. Fait un truc! Et là! Défense! Et si j'essaie de. Oui ah oui! C'était ça qu'il fallait faire depuis le début! LOL! Ah oui, alors là, attends, alors là, rappelle-toi, la strat, c'est. On lui tourne le dos! On lui tourne le dos! Ah le non. Con! Si, tu sais, il faut lui tourner le dos! Je tourne le dos! Tu sais, et là, il va venir! Et au dernier moment! Mais qu'est-ce qu'il fait? Non, il faut qu'on se mette plus loin, ouais! Ah, oh, comment il s'appelle l'autre? Carrefour par exemple permet de tout centraliser, c'est sûr. Non mais c'est clair, mais c'est sûr attention qu'il y a un côté pratique. Attends. Une PS4 centralise tout. Mais comme une PS4 centralise tout. C'est beaucoup trop chaud. Pardon. Ah putain, j'ai pas sa queue. C'est bon. Oh. Ah, ça passe un. Et de une queue. Oh. Pardon, j'étais beaucoup trop chaud, j'ai hurlé. En même temps, je déteste ce chat. Je pense que, vous voyez, sur l'échelle de la détestation... Ciao, prenez soin de vous, les zouzous, mais tout à fait. Il y a le chat, il y a Toad, vous voyez, le chat est juste en dessous. Bye, il Frankie. Faut qu'on descende. A plus. Ah, putain, faut que je me désintègre. T'es lourd. C'est toi qui es lourde. Mais c'est sûr que, ouais, c'est, les gens retrouvent tout à Carrefour, mais c'est exactement pareil que pour l'informatique.
Tu vois, typiquement. Les gens vont à la Fnac, bon, ils achètent leur ordi en même temps que le. Tu vois, genre. Ouais, puis surtout, les gens vont à la Fnac choisir leur ordi, hop, tout est fait, tout est pratique, et du coup, ils n'ont pas à passer du temps. Ah, Léa, comment tu as trouvé? Tu as aimé? J'ai pas fini. Il a pas fini parce que lui, c'est. Mais. Moi, je suis un peu teubé. PS4 et Carrefour Leclerc, c'est différent. Dans le sens praticité du truc. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est la même logique. PS4, tu achètes une. Bah, ça a clairement changé ça. Hein. Oh bah. Ah, MD LOL. Non, mais il se passe. Tu achètes un. Il y a un truc avec ça là. Oui. Tu achètes un package en fait. Pourquoi est-ce qu'il y a des traces de peinture? Ça, c'est le chien. Oui, pourquoi est-ce qu'il y a une croix, pardon? J'ai l'impression qu'il y a un truc qui a changé avec cette croix. Mais c'est peut-être juste son point d'atterrissage, mais ça me paraît bizarre qu'il y ait une croix à cet endroit-là. Tu vois ou pas? Ah, bien joué. Oh! Insane! Et voilà. Le 100% était là. C'était ça le 100%? Bah voilà. Trop facile ce jeu. Allez. Je vais sauter sur toutes les planchettes. Non, mais il faut juste passer en fait. La PS4 propose tout ce que propose le PC, mais en bridé, alors que Carrefour propose ce que pourrait proposer des trucs dans les 4-5 magasins spécialisés. Non, mais je te parle du côté j'achète un PC tout fait ou une j'achète PS4. J'achète un truc tout fait. Pour le côté tout fait. Pour pas avoir à chercher tous tes composants, voilà. Etc. Dans éventuellement différents magasins, devoir faire des tutos, c'est pareil en fait, c'est la même logique. Putain, ce jumpscare insane. C'est plutôt par là, je c'est pense. C'est plutôt par là, ouais. Youhou! Petit chat! Insupportable petit chat! Mon petit chat! Ouais, il est par là, tu t'es trompé de. Perso, je crois. Il est où? Ah, mais je me suis trompé de perso! Oui. Je fais tout le temps ça. Oh là. Il y a des souris dorées. En fait, hein. Il y a des souris dorées au passage. Hein. Juste merde. Comme ça, au cas où. Ah, oui, d'accord, ok. Ça fait longtemps, mais il me semble que j'avais bien aimé. Ah, c'est magnifique! Qu'est-ce que c'est que ce zbeul? C'est un super beau roman, pas facile à lire, hein, mais super beau. Il y a une sorte de super-héros en slip, là, je sais pas quoi faire. Ah, mais... Il y a des serpents, c'est insupportable. Comment on les bat déjà, les serpents? Tu flashes. J'arrive qu'est-ce pas à les qu'il flasher. Faut faire? Attends. Ah oui. Ah ouais, donc faut les battre. Hein, bah non, mais faut les combattre, oui. Ah. Ah. Je l'ai. Non yeah. Ok, mais il y a lui et je sais. Bien joué. C'était ça. Les serpents, je sais pas. Les serpents, faut les flasher. Bah oui, mais ils ont disparu. Ok. L'araignée qui va me taper sur la gueule, c'est ça? Alors, il est où? Bah, c'est quoi ce truc au milieu de la flotte là? Je sais pas. C'est le requin. Il est relâ? Ah, attends, les empreintes de chat vont. Tiens, là. Où? Putain. Là. Dans ce sens-là, dans ce sens-là. Par là. Laisse-moi faire, je suis un expert, j'ai des heures de chasse aux merdouilles sur Warframe. Voilà! Là petit con de merde. Ah! Alors là, il s'énerve. Ah, en fait, je crois que à chaque fois qu'on le voit, on peut le flasher en fait. On a peut-être laissé passer des occasions du coup. T'es prête? Oui hein. Et puis surtout c'est compliqué à lire ce qu'il écrit dans l'ordre du contrebande Amazio. Ah t'as pas attendu. Est-ce que j'ai eu peur? Bah oui mais laisse le faire, t'as largement le temps. Tu sais il fait comme ça. J'avais mis du temps à le lire en plus l'écriture est toute petite et les chapitres longs. Faut que tu viennes là. Et depuis que je suis à la fac je lis plus tous les soirs comme avant. Ah ouais je comprends Léa. C'est un livre, il demande beaucoup d'investissement quoi. Il est fatigant. C'est. Là, c'est toi. J'ai bah pas non. Bougé. Attends, viens là, viens sur le ponton. Viens sur le ponton parce que j'ai l'impression qu'il fout le merde. Il se perd tout seul. Enfin, la co est revenue. Ah là là. La co des résidences. Toujours une magnifique aventure. Alors. Là Schlick. Moi aussi, je veux une queue. Les os. Ah. En vrai, il voit que Luigi, tu peux faire ce que tu veux. Ah, ok, ah. D'accord. Pauvre Timothée. Non mais continue à faire comme si. Bah si tu veux du coup on va faire un test de confiance, j'assure tes arrières. À partir de maintenant. Oh peur. Il est passé où, t'as vu ou pas? Bah oui par la porte. Par la porte ou dessous?
Non, là, il est passé par la porte. Ok. Regarde. Ah bah, il est là, ce petit con. Mais... Hein ? Faut lui envoyer une pastèque. Le salaud. Ah oui, faut lui envoyer une noix de coco, bien vu. Moi, je pense que c'est des pastèques. Mais c'est des noix de coco. Pourquoi une pastèque ? Ah non. Oh, putain, il est passé à l'étage en dessous. Ah, le salaud ! Bon. Oh non. Alors, moi, j'ai un livre de mon grand-père à lire, mais je trouve jamais la motivation, surtout que mon père, en le lisant... C'est quoi ? A dit, c'est imbuvable. Nice ! Ah mais attends, c'est ton grand-père qui a écrit ? Parce que si c'est le cas... Effectivement, ça. Il y a des risques. Après, ça se trouve, son grand-père est un grand écrivain. Hein. On le sait pas, mais ça se trouve, Sabouaise est le petit-fils de Jules Verne. Énorme. Comment ça, énorme ? Le journal que j'ai lu avant celui dans ce moment, j'ai mis au moins 2 mois à le lire. Oh, tu sais, ça m'étonne pas trop. Hein. Ok, c'est bon. Ah, c'est lui qui a écrit. Ah ouais. Bon. Ah, c'est rare que les gens écrivent bien. Hein. Mais bon. Des fois, on peut avoir des bonnes surprises. Moi, ça me saoule parce que, tu vois, j'ai vraiment vu le moment où je me suis arrêté de lire, aussi, avec les transports en commun et tout. C'est vrai Terry que Pratchett, toi, l'est pas terminé. Je suis un peu deg de pas avoir terminé les analyses comme on va. Depuis que tu fais du vélo... Depuis que tu fais du vélo, tu lis moins. Depuis vrai, que j'ai arrêté même les transports. Pas connu dans le Gers. D'accord, ok. Mais on peut pas sortir. Non. Fallait que l'ascenseur se mette en marche. Comment est-ce qu'ils sont arrivés là, au fait, eux ? Le groom service, là ? Pourquoi est-ce qu'ils étaient là ? Ah, putain, la suite illusoire. Ça va être le sbeul. Oh. Le chien est dans le coin, le chien est toujours sur la bonne piste. Le vélo t'empêche de lire, le sport tue la culture. Le sport tue la culture. C'est là. Non, attends, ah oui. Je pensais qu'il fallait inspecter la chasse d'eau, mais en fait non. Non, globalement, c'est surtout que je ne prends plus le métro. Bah, c'est là, dans cette porte là. Et du coup, plus de métro, donc plus de moments assis tranquille. Ouch. Ok, il faut faire un truc avec. Ça. Ouais. Ah, c'est le chien. Ah. Donc le chat est quelque part par là. Il est là. Saleté. Flash-le. J'y arrive pas. Merde. C'est pas grave. On va y arriver. Ah oui. Il est super celui-là, Léa. Et du coup, là, tu lis quoi en ce moment? Comme pour ado? Il fait sa star, il est au milieu de la scène. Oh le chien. Vas-y. Je pense que c'est... Il faut appuyer sur X ou tirer une ventouse. Ouais. Aspirer peut-être. Ah ouais. Bien joué. Ah, il faut les deux en même temps. Hein? Attends, deux secondes. Vas-y, 1, 2. Hein? Ok. What the frig? Vas-y, test de confiance. What? Oh le salaud! Le salaud! Il a. Bon alors, du coup, test de confiance, mais il faut que toi tu lances le truc la deuxième fois, ok? T'es prête? La deuxième fois, c'est toi qui intercepte. Ah, non, mais non! Laisse-moi faire! C'est juste qu'il va faire un demi-tour. Tu vois ou pas? T'as compris ou pas ce qu'il a fait? Alors, je vais flasher la première fois. Là, il va esquiver et après, c'est à toi. Ok? Attention. Ah non. Bah, je sais pas pourquoi est-ce qu'il a esquivé tout à l'heure. Vas-y, tue-la. Ah, pourquoi est-ce qu'il a esquivé? C'était chelou ce qu'il a fait. Ah oui, le faiseur de rêve. Ok. Ok. Le gang des rêves, il est vraiment super, il paraît. Faudrait vraiment que je le lise une fois. Quelle danse incroyable. Le chien est trop content. Bon, bah, cette saleté de chat, hein. Ouais. Moi, je l'aime bien.
Moi je l'aime pas. Je trouve ça rigolo. Mais je le trouve moins pire que Todd. Je trouve ça rigolo de le chercher et tout ça. Ah, mais il y a un peu de chocolat quoi. Ok. Bon, on m'a même pas proposé quoi. Je le finis pour la peine. Allez hop! Tous aux étages 14. Let's go. C'est marrant qu'ils aient mis des chapeaux partout ici. C'est rigolo. Allez. Pardon. Désolé. Dégueulasse. Mais enfin. J'ai juste éternué. C'est vrai que j'ai pas mis le coude devant. J'ai pas dabé pour éternuer. Virus. J'ai pas dabé pour éternuer. Pensez que ça marcherait si on expliquait aux, si on expliquait aux zoomers qu'il faut dabber pour se protéger du coronavirus. À Noël et mon anniv, j'ai eu deux autres livres, de Luca de Fluvio, Les Enfants de Venise et l'autre je ne sais plus. Le dab sauve des vies, exactement. Exactement. La discothèque. Oh purée. Insane. I know. On va voir Luigi faire comme ça là. Faut du nom. Ça fait longtemps que j'ai pas vibré d'ailleurs. Ils sont où les bouts? Oh my god. Écoutez-moi ça. Gros son. Oh. Wow. C'est magnifique. C'est hyper stylé ce qu'ils font. Enfin, globalement. C'est peut-être pas le hardware de mes couilles, mais c'est trop beau. Attends, ne bouge pas. Oh oui. Vas-y, va allumer l'autre. Ok, ne bouge pas. Faut faire le tour. Non. Ah si. Ne bouge pas. Ah, faut que tu viennes. Ok. Oh. J'ai rien compris. Moi non plus. Eh oui. Putain, mais énorme musique. Salle secrète de la discothèque découverte. Waouh. C'est marrant qu'on ait eu un achievement alors que d'habitude quand on a un secret, bon, on nous donne un diamant et on en fait pas des, on en fait pas tout un flanc quoi. Putain, c'est vrai que par contre, il y a un peu d'argent quoi globalement. Hein. Ah bah ça, hein. Le monde de la nuit, vous savez. Le monde de la nuit. Est-ce qu'on a déjà entendu plus années 90 que le monde de la nuit comme expression sans déconner? Aïe aïe aïe, bon de toute façon c'est boys, il est... Non, il est 22h17, c'est pas encore l'heure de s'arrêter. Pardon my bad. J'allais dire l'heure mais en fait non. Donc du coup tu es en train de rater plein de choses c'est boys. Heureusement que j'ai un bon abonnement 4G. T'as... Ah oui t'avais fait ça. Oh là il faut scratcher là, il faut scratcher. Il faut scratcher Zugi. Mais je sais pas ce qu'il faut faire. Bah... Ah oui, en effet. Ok, bouge pas. J'ai peut-être un petit fort quand même. Arrête d'aspirer pour voir. Sans souffler, sans sou... Ah! Hein? Ça fait la même chose. Ouais. Attends. Continue de souffler, toi. Ah ouais. Ah non mais il y a que y a, ça marche que dans un sens. Ouais. Genre si je te laisse faire. Est-ce qu'il y a un autre truc de l'autre côté un peu pareil? Non de l'autre Putain, côté non, ça a l'air c'est d'être trop bizarre. Ah non mais ça m'énerve trop de pas avoir la solution là. Qu'est-ce que c'est que cette énigme?
Et en plus, c'est boy, t'es pas en vacances, toi, là? Il a pas de vacances, si, en fac. Ah, il a peut-être moins de vacances que les autres. Ah, mais oui, t'avais qu'une semaine. Ah, mais oui, c'est ça qu'il faut faire. Quoi? Bah, saute, vas-y, en dessous. Non? Oh. Quoi? Vas-y, saute en dessous. Non. C'était la semaine dernière, ok. Et ouais, non, c'était pas ça. Je sais pas quoi faire. Bah là... On va peut-être trouver un moment. Oh, ils ont des costumes classe hein, ici. Hein. Tiens, regarde, si tu veux, si tu veux des billets, il suffit de rentrer. Ah ! C'est le videur. Merde ! Si tu veux bien taper le violet qui me chope actuellement. Oh bah, il m'a lâché. Je suis là. Je crois. Non, c'est bizarre. Ah voilà. Allez, hop. On l'éclate. Voilà. Saute, chou. De quoi saute? Ah, pour me débarrasser du violet, ça marche? Ah ouais, je savais pas, tu vois. Ah mais non, c'est des vestiaires à l'intérieur. Tiens, là. C'est là, c'est là que c'est. Si, regarde. Gros son, hein. Ouais, j'aurais peut-être pu essayer ça. Quoi, c'est tout ? Non. Ah, pardon. Désolé, vas-y, je te le laisse. Il est pour toi. Pardon. Compris ? Ah ! Ah ! Ah ! Putain, faut pas être arachnophobe, hein. On l'a dit que ce jeu c'était vraiment dans l'ambiance et que ça rentrait dans votre tête, hein. Oh ! What? Ça a fait un truc, je crois, ce que t'as fait, non? Ah, oui. Ça devient de plus en plus léger. What? Wow. On a eu un succès pour avoir, on a eu un diamant pour avoir été des fashionistas, ça déchire. Des voleurs surtout. Aussi, des fashionistas voleurs finalement. Hello Ethercorum, comment tu vas? Ah merde, mais je me suis confondu avec toi. Ce qui est génial. Globalement, c'est parfait. Ça m'arrive tout le temps. Ah pardon, Ethercorum, il avait essayé de nous faire peur, mon amour. Il a essayé de nous faire un... Ah ! Merci. Tu m'as rattrapé, ma... Ah mon dieu. Des fouteurs de merde. De sacrés fouteurs de merde. Encore une fois, on le répète, on n'a jamais vu des gens faire autant de merde avec un aspirateur. Oh ! Attention, il faut sauter. Non, il faut d'abord celle ça. Merde. Il faut d'abord le ça. Mais non, il faut d'abord le ça. Bah vas-y. Bah oui, mais je peux pas si tu le fais. Je peux pas si tu le luminose. Si tu le luminose. Luminosé. Voilà. Hop là, voilà. Là, bim, et là on y va. Et hop. Et là il va chier globalement. Voilà. Luminosé, du verbe luminosé. Exactement. Ciao. Yes, c'est boys. Bonne nuit à toi. A plus. Ça c'était évident. On s'en peut trop connaître ce genre de truc, hein. Salut vous deux, on fait aller. Bon bah nice. On va voir d'où vient cette grosse ambiance finalement. Vous êtes prêts? Moi je pousse le son, hein. Je te préviens, je pousse le son. Oh non! Really? Les bâtards, ça se fait tellement pas ce qu'ils font. Genre, on arrive, ils arrêtent la fête. Vous vous rendez compte?
C'est égoïste. Mais on n'a rien pété du tout. C'est eux. Oh. Hello. Hello. Bah non. Bah bien évidemment que non. Waouh. Oh, elle est stylée. Pardon. J'ai été de nous péter les oreilles. T'es allé me faire manger, oh, c'est bien de manger, c'est cool de manger, manger c'est la vie, on meurt quand on mange pas, moi je reviens. Allez, va. A plus, c'est Dercorum, j'espère qu'on sera encore là quand tu reviendras. Wouah. Mais ils dapent tous. Pardon. Je sais pas si je vais rester avec toi au final. T'es tellement 2008, ça me dégoûte un peu. Mais c'est tellement le style. Regardez-moi cette classe intégrale. Je suis désolé, mais ils ont trop la classe. Ok, c'est officiellement mon étage préféré. Ah, il t'a dégagé. Ah, il faut soulever leur capuche, je pense. Comme ça. C'est lui. Il passe. Oh, c'est tellement stylé. C'est celui de droite. C'est celui qui est sur toi là. Il est là. Je l'ai. C'est lui. Ah non. Ah bien joué. Ah bien joué. Waouh. Saut 2008 disparaît. C'est tellement stylé ces mouvements, j'aime tellement ce qu'ils font. Aïe. Là. Ah oui, d'accord. Attends, c'est quoi cette fille? Bon, je vais le dire en anglais. How this shredder girl can have a soul with this haircut. Observez bien pour trouver quel bouton. Ça ne doit pas être facile de danser comme ça. Attends, alors attends, il faut observer, il faut les observer pour voir qui a le bouton. C'est quand il lève la tête. Luigi, j'avoue, il est trop à fond. Ok, il faut trouver celui qui a le bouton. Donc les aspirer, ça sert à rien. Ah, il y en a un qui est en retard, c'est lui. C'est lui qui l'avait. Là, c'est celui d'en bas. Et donc là, oh, là, là. Oh putain, mais c'est super dur ce moment-là. Je crois que je l'ai, mais je suis pas sûr. Je crois que je l'ai. C'est celui au... Là. Là. Où ça? Ici, au milieu, là. Là, là, là. Ah non. Oh, c'est si dur, waouh. C'est impossible. Ok, bah ouais. J'avoue, c'était particulier, Terkourou, mais j'ai bien compris. En fait, c'est celui qui est en retard qui a le bouton. Il y en a un qui est légèrement en retard. Décale-toi un peu parce que sinon ils vont te pousser, je pense. Il y en a un qui est en retard au bout d'un moment, je crois. Là, à gauche. Ah non. Lui. C'est lui. Ah, comme ça. Voilà. Et donc là, il faut capter. Alors là, c'est super dur. Attends, lui. Je m'en fous, je mets le doigt. Ah. Ah, mais c'est horrible. Si, si, c'est lui, c'est lui. Merde, c'est lui. C'est lui, c'est non. Lui. Non. C'est lui. Oh, aspire. Vite, flash-le. Aspire. Sauf que ça va atterrir dans les mains de la boss. Voilà. Évidemment. Elle a trop la classe. Bon, c'est une perruque, mais elle a trop la classe. Bisous, Léa. Bye, Léa. Oh, elle est pas contente du tout.
Putain, mais c'est le meilleur niveau. Oh là, attention, attention au CD. Pauvre Zugi. Aïe. Tu penses qu'il faut la... Attends. Ouch. Je comprends vraiment pas sa faille là. Ouais, je comprends pas non plus. Attends, écarte-toi, écarte-toi. Voilà. Il y a là un truc avec ses CD. Il faut lui renvoyer dessus. Ah, tu penses qu'il faut lui... Parce qu'il se casse quand on... Il se casse quand on... Attention. Ils ont pas l'air d'être aspirables. Non, 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 Ethercorum. C'est la dimension des toons qui permet de sortir des CD. Ouais, ils sont... Oh ! Quoi ? Qu'est-ce que t'as fait ? Il faut jump juste assez à côté d'elle, en fait. Et ça lui fait sauter sa perruque. Il faut réussir à l'atteindre, en fait. Là, pas là. Là, il faut courir. Tu peux tomber du ring, hein, je pense. Hein. Je pense que c'est pas une disgrâce. Et là, en fait, il faut faire ça à côté d'elle. Tu vois ? Genre là. Non ? Attends. Ah ! Oui, voilà ! Bien joué. Ah, bien joué. Ouais, voilà, tu vois, je pense que la meilleure strat, c'est d'aller festanquer un bon gros coup et voilà. Elle a tellement de PV. C'est tellement la meilleure musique en plus qu'elle a. Merde. En fait, il y a un moment où on peut s'approcher d'elle. Voilà. Hop. Prends les. Ouais, bien joué. Pardon. Je voulais l'exploser contre son CD, mais ça a pas trop marché. Là, attention. En fait, il faut pas l'approcher trop. Là, elle s'arrête. Bien joué. Bien joué. Oh non. Qu'est-ce qui s'est passé? Je l'ai pas eu. Tu l'as ou pas? Vas-y. Bien ouais. Attends, on va pas avoir fait 3 étages en un soir là. Ouais. Palabali papi papi là. C'était quand même vachement mieux quand il y avait la musique de la boss. C'était quand même vachement mieux avec la musique de la boss. Le dernier étage. Groovy. Qu'est-ce que c'est le meilleur perso, Luigi? Il est trop bien. Ah oui, c'est vrai, on n'a rien trouvé d'autre. On a trouvé 2 diamants. Attends. 2 secondes, stop. Ici. Descendre. Oh, c'est une méga prise. On va foutre le zbeul dans la discothèque. Wouhou. Est-ce qu'on va avoir une musique stylée ou pas? Bah enfin, il y a tout le reste. Non mais la musique. Ah c'est dommage. Ah mais il y a une porte. Ouais. On va avoir accès au background.
Il reste une enceinte, il reste une enceinte. Oh, c'est dommage de détruire tout ça. Ouais, mais c'est rigolo. Ouh. Oh, toutes les perruques. Tu vises vers l'avant, là. Ouais, je sais, mais je voulais avancer. Ouais, le reste ça ne s'assure pas. C'est son bureau. Well? Bon, après il faut qu'on s'arrête, Zuki, oui. Il est 22h35. Bah. Toutes ces perruques de rechange, la pauvre. Bon, tu me dirais, elle n'en aura plus utilité maintenant qu'elle est dans notre aspirateur, mais... Ah ! Qu'est-ce que t'as fait ? J'ai cliqué. Oh ! Attends, il y, y a un truc avec un casque, là. Celle-là, je pense qu'on peut la faire tomber. Non ? Bien joué. Tu penses que c'était ça, mais il n'y a rien dans cette pièce ? Ça veut dire qu'il aurait fallu se mettre sur les dalles pour faire apparaître l'aspirateur, pour faire apparaître la pièce, pour faire apparaître le bord de la Seine. Ah, si je vais dans l'autre côté. Ah, vas-y, vas-y. Je sais pas si on va pouvoir. Si. Si. J'aspire du coup, perso. Hein? Non mais c'est pas vrai. On a juste pété là. On a juste... Bah super. La discothèque qui était pas du tout étudiée pour, tu sais. La discothèque, elle était bien, mais globalement, l'archi s'était planté quoi. T'as vraiment, pris le non, non, justement, j'étais vraiment parti chercher l'argent avant qu'ils disparaissent. La discothèque, ouais. Mais globalement, l'archi était pas... Ouais, c'était mal réfléchi. Voilà, c'était... Y a... Ils ont pris des matériaux... Oh, bah ils ont mis la musique. La musique est vraiment trop bien. C'est ça que t'essaies de viser ? Ouais. Ça marche pas. Malheureusement, non. Bon. Je sais pas si c'est une bonne idée de lancer le 15ème étage maintenant, par contre. Ah, mais regarde, mais c'était eux. Oh là 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 là. Ouais. Maintenant qu'on a fini le niveau, on comprend toutes les références. Incroyable. Ah, il y en a plus. Et là, on sait toujours pas. Non. Après, on pourra repasser une prochaine fois pour le 100%. Bisous, Ayumu. Ah bah si, voilà. Tu devais pas être assez près du mur. Et voilà. Oh, yes. C'est bien ça, c'est juste que t'étais pas assez près du mur. Parfait. Bon moi 4. Je dis, on regarde juste Ah. Super, moi je suis enfermé dehors. C'est vrai? Attends, j'arrive. Non mais j'arrive, ouais, j'étais enfermé dehors. Ah merde. Je les ai. C'est très méchant ça. Tiens. Bon. C'est son crew qui vient la venger. Allez. Ah bah c'était pour ça que c'était fermé. C'était pour pas nous gêner pendant le combat. Dans cette zone qui était déjà si réduite. Moi je dis on va juste au 15ème étage pour voir. Oh, mais moi je sens que ça va tellement lancer une cutscene de la fin du jeu. Mais non. Bah. Totalement. Après c'est une suite donc c'est pas juste une pièce. On va juste arriver au... On va juste y arriver. Attends, tonton vers moi.
C'est plus drôle quand t'aspires. Le plus bizarre, c'est ça. Attends. Tourne-toi vers la caméra. Ah merde. Wow. Oh là. Oh, les vases sont hyper rassurants, hein, mais... Oh là. Ça sauvegarde pas ? Si. Si, ça y est. Bon, bah voilà, hein. Waouh. Bon, allez, on s'arrête là. On s'arrête là-dessus. Dernier stream, la prochaine fois. La prochaine fois. Ah, sur Luigi's Mansion. Bon, les viewers, merci à vous d'être passés. Ouais, c'était chouettos. On a eu plein de débats. Voilà. Arrête de faire ta zule. Aïe. Tu le méritais. Oh là. Ouais, ça part carrément sur une espèce de délire sadomaso. Mais pas du tout. Bon, les viewers, on s'arrête là-dessus. Demain soir, 20h30, nouveau stream, le jeu surprise. Résumé du sujet des débats. PC versus... Non. Une console, une console est-elle de la merde? Into. Est-ce que tout le monde peut monter son PC, à l'idée de monter son PC, à les compétences pour monter son PC? Est-ce que tout le monde devrait s'intéresser à tous les sujets de la vie de tous les jours? Voilà, globalement. En gros, Seb Ways et je ne sais plus comment il s'appelle, Franky, disait que oui, c'était n'importe quoi d'acheter un PC tout fait parce que tu dois te rendre par extension compte une console. De comment il faut faire, de monter toi-même ton PC, de pas te faire arnaquer, etc. Ce qui est plus ou moins oui, vrai. Ce qui est vrai dans mais... l'idéal. En fait, il y a toujours des sujets où t'as des lacunes, où tu sais pas. Enfin bref, voilà. On relance pas le débat. C'était ça le débat. Mais on a eu plein de débats ce soir. Voilà. Et demain soir, et c'est le jeu surprise. Donc, c'est un jeu qu'on choisira un petit peu sur le volet, je pense. Parce qu'en fait, j'étais pas très inspiré sur la prog. Je m'étais dit, voilà, j'ai envie de mettre du multi. Qu'est-ce qu'on va faire? Et puis voilà. Mm-hmm. Donc demain, on en parlera sûrement sur le Discord. Voilà. C'est pour ça que je suis moi-même magasinière et je suis mon propre médecin. Voilà. Exactement. Là, typiquement, voilà. Voilà, tout à fait. Mais bon. Bon, en tout cas, messieurs, dames, merci à vous d'avoir été là. On vous souhaite une bonne nuit. On vous embrasse très fort. Et puis, à plus. Et bisous. N'ayez pas trop peur de Luigi. Ah oui, n'ayez pas trop peur des fantômes parce que, en réalité, ils sont quand même pas si méchants. Oui. Bye!